La réunion est maintenant enregistrée. Meeting recording has started. Donc, c'est la quatrième saison de ce séminaire État prédateur, conflit et résistance. Donc, quatrième saison qui nous permet d'aborder des thématiques différentes. Donc, on va aborder aujourd'hui la thématique de l'État social. Je voudrais d'abord remercier les participants qui sont sur place et aussi en ligne. Et puis remercier surtout l'équipe de doctorants et doctorantes qui permet de faire vivre ce séminaire et qui résout minute par minute les problèmes de logistique et d'informatique. Alors nous avons décidé d'ouvrir cette nouvelle saison par la question de l'État social qui est pour nous assez emblématique des questions que l'on se pose dans ce séminaire puisque la façon dont on conçoit les questions sociales et plus généralement, ce qu'on appelait naguère, pour ceux qui s'en souviennent, l'économie sociale, qui n'est pas l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui, c'est une question structurante pour une économie comme celle que l'on défend, qui n'entend pas s'affranchir des questions politiques et des questions de société. La question de l'économie sociale, et puis on le voit aujourd'hui avec les retraites ou l'assurance chômage, c'est une histoire de conflit entre différentes représentations de la société, et c'est aussi celle de la résistance de certains groupes sociaux à d'autres groupes sociaux qui veulent imposer leur façon de voir. Et puis, c'est vraiment la question de l'État social qui est au centre de ces enjeux. Et nous avons donc souhaité, pour ouvrir cette saison, organiser un échange entre deux visions qui ne sont pas concurrentes, mais qui sont différentes, disons, enfin, on va le voir, de voir le progrès social, de vision de voir le progrès social, deux façons de lire les conflits et les résistances qui animent profondément la question sociale. Alors nous sommes vraiment heureux d'accueillir aujourd'hui Christophe Rameau, qui est maître de conférence à Paris 1 et qui est membre du collectif, enfin du Centre d'économie de la Sorbonne. Alors Christophe Rameau, c'est un infatigable combattant de l'État social, comme chacun sait, qui est auteur de plusieurs ouvrages. Il vient nous présenter ici son dernier ouvrage qui s'appelle « Pour une économie républicaine ». Alors, ce n'est pas seulement un combattant de l'État social, c'est quelqu'un qui a donné ses lettres de noblesse à cette question, à la question de l'État social. Il a développé une vision extensive d'État social qui, pour certains dont je suis, fait dorénavant autorité. Une vision qui n'est pas limitée à la protection sociale. Alors, il a surtout montré dans ses différents ouvrages à quel point l'État social était un élément moteur de résistance au néolibéralisme. Et donc, le deuxième intervenant sera Nicolas Da Silva, qui est maître de conférence à l'Université Sorbonne Paris Nord, membre du CEPN. C'est aussi un économiste du social qui met au centre de sa réflexion les conflits et les résistances. Mais pour lui, les avancées sociales les plus significatives sont souvent liées à une résistance face à l'État social. L'histoire sociale française, elle est traversée par un conflit entre l'État et des mouvements citoyens qui portent des avancées sociales et qu'ils désignent avec d'autres sous le terme générique de la sociale. Le cas emblématique et extraordinaire au sens littéral du terme, qui sort de l'ordinaire de la sécurité sociale française de 1945 et sert de cadenas à son ouvrage, et son ouvrage qui vient de paraître, enfin qui va apparaître de façon imminente, s'intitule « La bataille de la sécurité, de la Sécu, une histoire du système de santé ». Alors le séminaire, il est organisé en deux présentations successives et le débat aura lieu après les deux interventions. Donc chaque orateur aura, je leur ai donné 30 minutes, mais je sais très bien qu'ils ne tiendront pas les 30 minutes. Et donc on va dire de 30 à 40 minutes, en commençant par Christophe. Et donc, Christophe, je te cède la parole. Ben merci beaucoup pour cette invitation. Merci vraiment. Ça a été l'objet de discuter entre nous. Et c'est toujours par la discussion qu'on avance. S'il y a une chose que j'ai retenue de mes années à la fois de chercheur et puis de personne engagée, c'est que c'est par la critique qu'on avance. Et voilà. Donc, je pense que c'est bien d'avoir cette confrontation entre nous. Il y a une chose que je ne supporte plus, c'est le dogmatisme, de moins en moins. Donc voilà, vive la critique, vive l'échange d'arguments. Alors mon bouquin s'appelle « Pour une économie républicaine ». En fait, il prolonge, il actualise, j'espère qu'il renouvelle
un précédent bouquin qui était paru il y a 10 ans, qui s'appelait L'État social, tout simplement. Alors, tout de suite, quelques mots sur le titre. Quand vous rentrez sur un moteur de recherche économie républicaine, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort, c'est-à-dire que, assez étonnamment, il y a quelques travaux d'historiens tout à fait intéressants sur l'économie sous la Troisième République, sous la Révolution française, mais enfin, au-delà de ça, il n'y a quasiment rien qui sort. Et donc, si on y réfléchit bien, c'est quand même assez surprenant. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un accord relativement large dans nos sociétés, du moins dans d'autres pays, pour dire que la démocratie, peu importe là, les termes qu'on utilise, on reviendra après sur ce qu'on met derrière le mot démocratie, mais enfin, il y a un accord quand même relativement large pour dire que la démocratie doit prévaloir. Ça n'a pas toujours été le cas. Pourtant, l'extrême droite était ouvertement fasciste, donc contre le suffrage universel, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et à l'extrême gauche, je suis bien placé pour le savoir, j'ai commis plein de péchés dans ma jeunesse, on était pour la dictature du prolétariat, et la démocratie finalement n'était qu'une démocratie bourgeoise. Bon, ces pages-là se sont tournées, donc il y a un accord relativement large pour dire que... Alors après, il y a des discussions sur les modalités d'exercice de la démocratie, très bien, 6e République, etc. Mais enfin, plus personne ne remet en cause l'idée que le suffrage universel doit prévaloir. Enfin, quasiment plus personne. Et tout le monde s'accorde simultanément pour dire que l'économie, c'est une question essentielle dans nos vies. Voilà. Et l'idée de rapprocher ces deux continents, c'est rarement fait. C'est quasiment pas fait. Ce que je soutiens, c'est que pour reconstruire, y compris un horizon d'émancipation, eh bien, il est judicieux de rapprocher ces deux continents du politique et de l'économie. C'est tout le sens de l'économie républicaine. On peut dire les choses autrement. Pendant un siècle et demi, le principal débat politique, c'était ceux qui croyaient au socialisme ou au communisme et ceux qui n'y croyaient pas. Et d'une certaine façon, la chute du mur de Berlin en 1989, elle a clos, en un sens, une partie de cette histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chute du mur de Berlin, elle signe l'échec du projet socialiste initial, tel qu'il avait été conçu. Le projet socialiste, communiste, peu importe les termes utilisés à ce niveau-là, c'était l'idée qu'on allait prendre appui sur les travailleurs associés, au sein des entreprises, des fabriques. Que les travailleurs allaient reprendre la main sur la gestion des entreprises. C'était l'idée d'autogestion, même si l'idée apparaît ultérieurement. Enfin, si le terme apparaît ultérieurement. Et sur la base de ces travailleurs associés, on allait reconstruire la société. Et ce qu'on visait, c'était une société sans État. C'était l'idée du dépérissement de l'État. Marx ici rejoignait, en quelque sorte, ce qu'il élaborait par ailleurs les anarchistes, l'horizon, c'était celui du dépérissement de l'État. Bon. Dans les pays où on a mis fin à la domination du capital, force est de constater que tout ça, ce n'est pas traduit par des progrès, ni au niveau économique, ni au niveau social. Je ne vous fais pas un grand dessin. Le XXe siècle est passé par là. Et donc, je pense qu'il est très important de savoir tirer le bilan de cet échec du socialisme et du communisme. Pour reconstruire les projets d'émancipation. Et je rassure tout le monde dans la salle, y compris pour garder le meilleur de ce que portait, bien entendu, cette espérance socialiste et communiste, car je suis pour en garder le meilleur. Mais donc, en tirer les leçons, ça veut dire, eh bien, saisir que dans le projet socialiste-communiste initial, il y avait des trous noirs, on ne peut pas tout faire. Marx avait prévu d'écrire un livre entier du Capital sur l'État, il n'a même pas commencé ses brouillons sur le sujet. Et donc, parmi les trous noirs de la pensée marxiste, on a quoi? On a notamment la question de l'État. La question de l'État, et au-delà de la question de l'État, la question de la nation, sur laquelle on reviendra éventuellement, et puis la question du pouvoir. Il est sage, à l'aune de ce qui s'est passé au XXe siècle, de partir du principe que dans n'importe quelle structure complexe, c'est vrai à l'échelle d'une association,
n'importe quelle structure, d'une entreprise, et a fortiori à l'échelle d'une société, on a besoin de pouvoir. On a besoin de pouvoir si du moins on accepte de considérer que le tout n'est pas réductible au jeu des parties. Et donc, ce tout a besoin d'être pris en charge. L'intérêt général, c'est valable à l'échelle de l'intérêt collectif d'une entreprise, d'une association, il a besoin d'un syndicat, il a besoin d'être pris en charge, et c'est pour ça que dans n'importe quelle association, même la plus contestataire, eh bien, généralement, il y a un bureau national, il y a un conseil national, vous appelez ça, enfin, on appelle ça comme on veut, peu importe. Et c'est a fortiori vrai à l'échelle de l'État. Et voilà, je pense que, comment dire, alors là, c'est tout de suite pour ouvrir des points de débat. Je remarque, avec satisfaction, que certains auteurs très radicaux, Éric Lordon, Bernard Friot, se sont finalement, alors Frédéric Lordon d'abord, Bernard Friot plus récemment, se sont récemment convertis à l'idée qu'effectivement, dans le communisme, il faudra un État. Et donc, ils parlent de la nécessité d'un État communiste. Enfin, je dirais que cette concession, elle s'accompagne tout de suite, comme s'il fallait rendre des gages en termes de radicalité, au fait que l'État d'aujourd'hui, c'est un État profondément réactionnaire, bourgeois. Alors, d'ailleurs, avec tout de suite une question que je pose à Nicolas, puisque Nicolas, si vous connaissez ses thèses, je vais lire son ouvrage là. Nicolas, ce qu'il nous dit, c'est que la sociale, elle s'oppose à deux choses, le capital et l'État. Bon. Mais l'État, c'est quoi ? L'État bourgeois, c'est l'État du capital, c'est autre chose. C'est quoi ce monstre auquel il faut, enfin ce monstre, cet adversaire auquel il faut s'opposer, y compris dans sa dimension d'État social, donc on est en désaccord complet, c'est quoi ? Et en disant bien, la thèse qui consiste à dire, il n'y a pas simplement le capital comme ennemi, mais il y a aussi l'État social, y compris, on en arrive rapidement à basculer dans des thèses qui ne sont pas très éloignées, finalement, si on y réfléchit bien et si on rate un peu, de celles du Public Choice. D'ailleurs, si je ne m'abuse, vous avez publié dans la revue Public Choice, ce qui n'est pas, de mon point de vue, anodin. Bon, passons. Discussion. Alors, l'économie républicaine, ça part donc de l'idée que ça vaut le coup de penser l'économie à l'aune des principes républicains. C'est quoi les principes républicains ? La démocratie, au sens fort du terme, elle a deux volets. Elle a un volet libéral, bien sûr, qui est précieux. Liberté de penser, de s'associer, de contracter, très bien. Mais elle a un volet qui n'est pas libéral. Et là, je fais mienne les thèses d'un auteur que je trouve très radical, contrairement à ce que disent certains zigotos, Marcel Gauchet, philosophe, puisque Marcel Gauchet fait une critique philosophique, c'est pas un économiste, il fait une critique philosophique de la réduction de la démocratie à son pôle libéral. Il vous dit non, la démocratie, elle a un pôle libéral, bien sûr, qui est très précieux, mais elle a un pôle qui n'est pas libéral, qui est un pôle proprement républicain. Et ce pôle républicain, c'est quoi ? C'est le suffrage universel, la loi, l'État. C'est-à-dire, c'est l'idée que ce qui doit être au cœur de notre construction politique, c'est que les citoyens sont placés sur un strict plan d'égalité. On ne compte que pour un, quand on est dans l'isoloir. On peut considérer, et bien réfléchir, que l'un des moments les plus radicaux de nos vies, c'est l'isoloir. Parce que dans l'isoloir, on ne compte que pour un. Voilà. Qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit bac plus 10 et arrogant comme on peut l'être, ou à bac moins 5, eh bien on ne compte que pour un. Désolé. On élit les représentants, peu importe à ce niveau, même si c'est important par ailleurs, les modalités d'élection proportionnelle, tout ça. C'est pas le sujet là. On élit des représentants qui votent la loi, et la loi elle s'applique à tous. Au sens que ce n'est pas un pôle libéral. On peut contester, on peut critiquer, on peut signer des pétitions, et Dieu sait que j'en signe, c'est pas le sujet. Mais enfin, on ne fait pas sécession. On ne prend pas les armes. On respecte quelque part l'idée que le suffrage universel doit être respecté, y compris quand on est minoritaire. Et je trouve ça plutôt salutaire.
Donc le politique, au sens républicain, il a deux volets. Un volet libéral et un volet qui ne l'est pas. Et bien, ce que je soutiens, c'est que l'économie, c'est exactement la même chose. L'économie républicaine, c'est l'idée que l'économie, elle doit avoir un pôle libéral en un sens, un pôle d'initiative privée. Le pays qui a supprimé le plus de fonctionnaires ces dernières années, quand on y regarde de près, c'est même pas la Grèce, c'est Cuba. Ben, ils étaient montés à 85% de fonctionnaires. Vous avez bien compris que les coiffeurs et les agriculteurs fonctionnaires, quand même, c'est pas top. Bon. Donc, ils ont privatisé grand nombre de pôles initialement publics. Bon, donc, il y a besoin d'initiatives privées, bien entendu. Cette initiative privée, d'ailleurs, elle peut prendre des formes différentes. Pendant des entreprises capitalistes, l'économie sociale. L'économie sociale, c'est privé, en un sens. On est libre d'adhérer à une association, une mutuelle, une coopérative. On n'est pas libre de payer ses impôts, de respecter le code du travail, etc. Bon. Et donc, bien entendu, dans mon ouvrage, je propose de repenser le fonctionnement des entreprises, de remettre en cause le fonctionnement, la domination du capital, en particulier financier, sur les entreprises. Donc, je vous rassure sur ce point-là. Voilà, je pense qu'il y a lieu de s'interroger, bien entendu, sur le fonctionnement des grandes entreprises. Mais je préfère privilégier les débats entre nous. Donc, l'économie républicaine, elle a un pôle privé, c'est divers, et elle a un pôle public. Et le pôle public, au sens fort du terme, ce n'est pas le pôle des travailleurs librement associés. Désolé, parce que ça, c'est privé, dans un sens. C'est un pôle où il y a de l'obligation, par la loi. Et donc, les services publics, avec le fait que les services publics qui sont organisés d'un point de vue légal. La sécurité sociale, qui, si on l'entend au sens fort, ça suppose qu'il y ait des lois pour... c'est pas simplement les travailleurs associés qui décident comme ça de créer des caisses de sécurité sociale. Non, il y a besoin de lois. Et d'ailleurs, tu évoques accessoirement, puisque ça te déroge un peu par rapport à ton propos, le fait que la CGTU, la CGT radicale des années 20, au départ, elle était contre la cotisation sociale obligatoire. Et j'imagine que toi, tu es plutôt pour. Comme quoi, ça gratte parfois. Parfois, c'est compliqué. Parfois, ça... Voilà. L'idée qu'on prend appui simplement sur les travailleurs librement associés pour pouvoir construire de la sociale, oui, mais parfois, ce n'est pas synonyme forcément de progrès social. Car je suis sûr que tu es pour, et ce jour-là, une sécurité sociale avec des cotisations sociales obligatoires pour tous. Ce n'est pas les gens qui décident librement s'ils vont cotiser ou pas. Donc, il y a ce principe d'obligation. Donc voilà, l'économie républicaine, elle a deux pôles. Elle a un pôle privé, elle a un pôle public. Et en fait, ce que je soutiens ensuite, c'est que cette économie républicaine, elle existe d'ores et déjà, mais nous en saisissons mal l'ampleur, nous la nommons mal. Quand on parle d'État social, on a tendance souvent à réduire l'État social à la seule protection sociale. Ce que je soutiens, c'est la plus belle lurette, c'est qu'il faut avoir une vision large de l'État social, pas simplement la protection sociale, mais les services publics, le droit du travail, avec le bord que constitue le droit de négociation collective, mais passons. Et puis les politiques économiques, c'est très important, la macroéconomie. Les politiques économiques de partage des revenus, les politiques budgétaires, monétaires, industrielles, commerciales, très bien. Bon. Et quand on met tout ça bout à bout, alors donc on le nomme mal, souvent on le réduit à la seule État social, donc ça, la seule protection sociale, pardon, l'État social, et par ailleurs on le mesure mal. On n'est pas sans savoir, je ne reviens pas là-dessus, je prête. L'indicateur qu'on utilise le plus souvent, c'est l'indicateur des dépenses publiques, qui est un indicateur erroné, bien entendu, dans l'interprétation qu'on en fait. L'indicateur lui-même n'est pas faux, mais enfin, vous avez bien compris, ce n'est pas une part du PIB, voilà, bon, bref. Et donc, ce que je présente dans mon ouvrage, c'est, j'essaie de présenter les indicateurs qui permettent de mieux apprécier l'ampleur de l'intervention publique. Je pars pour ça d'un indicateur extrêmement précieux et utile et qu'il faut défendre, qui est le PIB, puisque le PIB, dans tous les pays du monde, on le calcule de trois façons différentes, approche production, somme de valeur ajoutée, approche revenu et puis approche demande. Du point de vue de l'approche production, je la fais courte, le poids du public, c'est de l'ordre d'un cinquième. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est de l'ordre d'un cinquième, 18% de la valeur ajoutée globale, 16% du PIB, 21% des emplois. On tourne autour d'un cinquième et ça n'a pas augmenté depuis 40 ans. Ça n'a pas plus... Et là, on voit les effets du néolibéralisme.
hein, alors qu'une société, plus une société s'enrichit, plus elle se devrait de consacrer de l'argent pour la santé, pour l'éducation, pour la culture aussi, eh bien, en proportion, le poids des dépenses, enfin de la production publique, notamment d'éducation et de santé, puisque c'est quand même deux principaux volets, en sus des fonctions régaliennes, dont d'ailleurs je ne me résous plus à parler de main droite de l'État, car en y réfléchissant, les pays où l'armée, la police ne relèvent plus de l'État, mais relèvent de privés, de milices privées, eh bien c'est vraiment la catastrophe. Donc quelque part, le premier pas de l'État social, c'est que ces fonctions régaliennes, elles soient prises en charge par l'État et non pas par des acteurs privés. Parenthèse sur le sujet qui m'éloigne, donc y compris de Bourdieu, bien que j'y reviendrai éventuellement si j'ai le temps. Bourdieu est progressé à la fin de sa vie sur comment penser l'État social. Bon, donc voilà, du point de vue de la production, approche production, le poids du public, c'est de l'ordre d'un cinquième, 20%. Approche revenu, bon là je ne vous ai pas emmené des slides, parce que puis en plus ça, ils vont être publiés dans Alternative Économie, donc vous les aurez sur un bouquin. Du point de vue de l'approche revenu, ça c'est quelque chose qui est très peu connu. Et je pense que des libéraux vont s'en saisir de ces graphiques prochainement pour dire, regardez ce que dit Rameau, c'est bien la preuve que c'est l'horreur. Du point de vue de l'approche revenu, il faut savoir qu'en France aujourd'hui, quand on additionne les revenus socialisés, c'est-à-dire les prestations sociales en espèces, les retraites, les allocations chômage, espèces, c'est-à-dire qu'on peut faire ce que l'on veut, hein, et les transferts sociaux en nature, donc que ce soit de produits marchands, on n'a pas remboursé des médicaments, des consultations de médecine libérale et des allocations de logement, ou les transferts sociaux en nature de produits non marchands, c'est-à-dire l'hôpital public et l'éducation, eh bien, la somme de tout ça là, de tous ces revenus, elle est supérieure depuis le milieu des années 80 aux revenus, au salaire net touché par les travailleurs. Et depuis la crise de 2008, elle est supérieure à tous les revenus directs du travail, c'est-à-dire si on additionne les salaires nets et les revenus des travailleurs indépendants, en mettant d'ailleurs tout le revenu des travailleurs indépendants, même si on appelle ça un revenu mixte, bref, peu importe. Nous vivons dans des économies mixtes, où le poids de l'intervention publique est considérable. La moitié du revenu global est socialisé aujourd'hui en France. Et ça contribue considérablement, contrairement à ce que disent certains auteurs, et là je crois que je vise, mais d'autres auteurs qui laissent entendre que l'État social, c'est une figure dépassée, c'est les Trente Glorieuses. Ça réduit plus les inégalités. Non, ça réduit considérablement les inégalités. Vous avez une étude de l'INSEE publiée il y a un an, hein, qui est une étude remarquable, hein, qui montre à quel point. Qui est toujours marquable dans le sens où elle s'efforce de voir comment joue la redistribution sur l'ensemble du revenu national. Donc elle s'inspire des travaux de Piketty, mais en s'éloignant des erreurs méthodologiques terribles que commettait Piketty, où il ne prenait pas en compte les enfants, etc., etc. Il prenait très mal en compte les services publics, le rôle des services publics dans la redistribution. Bon, je vous passe les détails. Donc, dans ce dialogue, y compris avec les équipes de Piketty, hein, donc, quand je dis que c'est un travail de l'INSEE, c'est en fait un travail qui est associé à plein de laboratoires, y compris les laboratoires qui étaient plutôt dans l'optique Piketty. Et donc, ça a donné lieu à ce rapport, là, sous la direction de Jean-Marc Germain, qui est un rapport absolument remarquable, bon. Qui montre d'ailleurs accessoirement, et c'est accessoire, que non seulement il y a une réduction considérable des inégalités, hein, pour l'ordre de grandeur, on passe de 1 à 12 sur les revenus primaires, à finalement 1 à 3, entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a bien redistribution. Bon, et par ailleurs, 8 Français sur 10 y gagnent finalement à cette redistribution. Très bien. Troisième volet, approche demande, je vais rapidement. Du point de vue de l'approche demande, on peut juger qu'il y a la moitié de la consommation globale qui est socialisée. La consommation globale, ça représente 80% des débouchés du PIB, du point de vue de l'approche demande. Le reste, c'est l'investissement. Et donc, la moitié de la consommation globale est socialisée, soit directement consommation de services publics, soit indirectement via les prestations sociales qui permettent, les retraités font leurs courses auprès du privé, etc. Bon. Et donc, on comprend mieux pourquoi les politiques d'austérité jouent contre l'activité en général. On comprend mieux les mécanismes concrets de ce que les Keynésiens appellent à juste titre l'effet multiplicateur. Très bien. Nous vivons dans des économies mixtes. Premier point. Deuxième point. Cet état social, il est toujours d'actualité.
C'est-à-dire qu'il faut saisir à la fois la profondeur des attaques néolibérales qui ont eu lieu contre l'État social, et à la fois le fait que, il faut te dire, cette ligne de crête, ne pas sous-estimer l'ampleur des remises en cause néolibérales, et à la fois ne pas laisser entendre que le néolibéralisme a tout emporté. Je pense que c'est important de saisir cette ligne de crête. Donc, en quoi le néolibéralisme est parvenu à changer la donne? Il est parvenu à changer la donne d'abord et avant tout sur le quatrième pilier d'État social en matière de politique économique, sur certains dispositifs de la politique économique. Et donc le néolibéralisme, son noyau dur, là où il est parvenu à changer la donne, c'est autour de 5 volets. La finance libéralisée, c'est le plus important, bien entendu. C'est la clé de voûte, intellectuelle, puis pratique. Le libre-échange, l'austérité salariale, la contre-révolution fiscale, et puis la privatisation des entreprises publiques. Pas des services publics en tant que tels, même s'il y a eu des remises en cause, mais des entreprises publiques. Bon. Autour de ces 5 volets qui ont été appliqués dans tous les pays du monde, avec des calendriers, des variants, etc., le néolibéralisme est parvenu à changer la vie. Pour autant, il n'est pas parvenu à réaliser entièrement son projet. Il y a eu des réformes libérales, des services publics, la LOLF, la RGPP, les RUALIRS. Il y a eu des réformes libérales des retraites, vous voyez ce que je veux dire, un mot de la santé, etc., qui ont eu des effets tout à fait indéniables. Mais j'invite dans mon ouvrage à faire attention à un discours de la déploration. Un discours que j'entends trop souvent, malheureusement, chez mes collègues critiques, qui, parce qu'ils n'ont plus d'alternative en tête, parce que l'échec du socialisme, eh bien, ce qu'il reste, c'est le cri. Ce qu'il reste, c'est la déploration. Et qui aboutit finalement à scier un peu plus la branche sur laquelle, pourtant, on peut prendre appui pour la contre-offensive, qui est justement, au lieu de dire « Ah là 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 !» Tu as vu, hein, c'est mes collègues que j'appelle les « t'as vu, ça y est hein, », ceux qui arrivent le matin en disant « t'as vu, Christophe, ce qu'ils ont fait, ça y est, ils l'ont fait, il n'y a plus rien ». Le problème, c'est qu'avec ça, on conforte chez les jeunes l'idée que la retraite publique, ça ne sera pas pour eux demain, que la santé publique, que les services publics, il n'en reste que quelques résidus, etc. etc. Hein. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ce discours de la déploration, parce que le levier sur lequel on doit prendre appui pour construire la contre-offensive contre le néolibéralisme, c'est au contraire de valoriser le fait que la retraite publique, même si elle a été remise en cause, elle existe toujours, il n'y a pas de problème de financement, on se rejoint à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, voilà, c'est tout à fait viable, voilà, c'est précieux, la France devrait être fière d'être le pays au monde où, grâce à notre joli système de retraite publique, eh bien, on est un des pays au monde où le taux de pauvreté chez la retraitée est l'un des plus faibles, etc., etc. Donc, valoriser en positif la protection sociale, les services publics, le droit du travail. Très bien. Alors, troisième volet, l'État social, il est à la fois mal nommé, mal mesuré, et il est impensé, largement impensé. J'espère contribuer modestement au fait de sortir un peu de ce trou noir. Il n'y a pas vraiment de théorie d'État social. Le projet de l'économie républicaine, c'est de penser l'État social. Et alors, quels sont les leviers pour cela? Il y a une dimension qui est centrale, c'est la notion d'intérêt général. Voilà. Il y a quelque chose de commun, finalement, entre la pensée libérale et la pensée socialiste ou communiste. C'est l'idée que l'intérêt général n'a pas de consistance propre. Enfin, plus exactement, les libéraux ont une pensée de l'intérêt général. L'intérêt général est réductible au jeu des intérêts particuliers. C'est une vraie pensée qui n'est pas la mienne. Mais du point de vue socialiste-communiste, on a un problème avec cette notion d'intérêt général. D'ailleurs, si j'ai mal vu, ce n'est pas très dans l'ouvrage. Je pense que c'est pourtant au cœur des outils intellectuels qu'on doit avoir pour y compris contrer les libéraux, pour s'opposer radicalement à la racine aux libéraux. L'intérêt général, ce n'est pas l'intérêt de tous. Réduire l'intérêt général à l'intérêt de tous, c'est retenir comme définition de l'intérêt général la définition de Pareto. C'est vraiment stupide. C'est pas le reproche qu'on peut faire accessoirement à Stefano Palombarini et à Bruno Hamam.
disent l'intérêt général, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que ça joue contre certains intérêts. Ben oui, mais Coco, vous avez en tête la définition de Pareto. C'est sûr que si vous avez en tête cette définition, l'intérêt général n'a pas de pertinence, bien sûr. Non, l'intérêt général, justement, c'est l'idée que voilà, donc, pour vivre en société, il y a des individus, il y a des intérêts particuliers, il y a une part de l'intérêt général qui résulte des intérêts particuliers, mais il n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. Le tout a une consistance propre. La société a une consistance propre. C'est pour ça qu'elle a besoin d'État, au sens fort du terme. Et la question qui se pose, bien entendu, c'est comment on investit cet intérêt général. Comment on investit cet intérêt général. Et donc, mon point de vue, c'est de dire que le pôle républicain de la démocratie que j'évoquais au tout début, sa justification, c'est justement le fait que l'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. C'est pour ça qu'il y a besoin de lois. Eh bien, la justification de l'État social dans l'économie, du pôle public de l'économie, eh bien, c'est justement la même chose. Pourquoi on a besoin de protection sociale publique? Eh bien, c'est parce que l'intérêt général n'est pas réductible aux intérêts particuliers. Et donc, quand les retraites, la santé, etc., les services publics sont gérés de façon privée, eh bien, c'est à la fois plus coûteux, plus inégalitaire, etc. Voilà. Et voilà, donc au cœur, alors, un petit point, une petite parenthèse ici, hein. Bourdieu, à la fin de sa vie, a reconnu cela. Pendant longtemps, Bourdieu s'est refusé à penser l'État. Il déconstruisait l'État, comme les sociologues aiment bien faire, déconstruire. C'est ce que j'ai dit. Bon. Et à la fin de sa vie, il fait 3 ans de ses cours, ça a été publié dans le livre Sur l'État au Collège de France. Et où il dit, ben voilà. Alors comment penser l'État? Je la fais courte, je résume les 1000 pages de ces 3 cours pour quelques mots. Il vous dit, voilà, dans l'État d'Ancien Régime, l'État c'est la maison du roi. Le roi peut dire, l'État c'est moi. Enfin, passons là-dessus. Mais dans l'État moderne, ceux qui ont le pouvoir sur l'État, dans l'État moderne où la démocratie prévaut, ceux qui ont le pouvoir sur l'État sont obligés d'invoquer l'intérêt général pour asseoir leur pouvoir. Jusque-là, rien de neuf dans le monde. Ce qui change, c'est ce qui suit. Arrivé à ce stade, il dit, bon, ben maintenant, chers auditeurs du Collège de France, vous allez être obligés de prendre de l'Alka-Seltzer, parce que ce que je vais vous dire va vous donner mal à la tête. Eh bien, la nouveauté que j'introduis maintenant, c'est de dire que ceux qui ont le pouvoir sur l'État, la noblesse d'État, bien sûr qu'ils sont obligés d'invoquer l'intérêt général pour asseoir leur pouvoir, leur domination, il y a de la domination, mais ce faisant, ils sont amenés à faire réellement progresser l'intérêt général. Là, on a très mal à la tête, très très mal à la tête dans les travées du Collège de France. Bon. Et alors, il termine à chaque fois ces 3 ans de cours en disant, vous allez me dire en quoi, précisément, cet intérêt général progresse-t-il réellement? Eh bien, écoutez, c'est une question tellement importante, vous dites, bon Dieu, qu'on verra ça l'année prochaine. Et en fait, il n'a pas déblayé cette question. Mais il a posé la question. Il l'a évoqué dans un article, dans une interview qui a été reprise dans Contrefeu, c'est ça, hein, oui. Où il dit, Contrefeu, monsieur plus là. Où il dit, bon, en fait, c'est là qu'il sort sa fameuse, il y a la main droite et la main gauche de l'État. D'accord? Il y a la main droite et la main gauche. Il y a la main droite, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je dis ce que j'en pensais tout à l'heure, mais il y a la main gauche, et donc là, ici, protection sociale, service public, etc. Voilà. Et donc, il donne une place positive, si je puis dire, à l'État, y compris l'État actuel, hein, pas simplement l'État pour demain, hein. Il donne une place positive à l'État, c'est ce qu'il appelle la main gauche de l'État, à mon avis, la formule est quelque peu contestable, mais enfin, on comprend ce qu'on savait dire. Donc voilà, au cœur de mon propos, donc, je reviens. Les libéraux, qu'est-ce qu'il y a de commun entre les libéraux et les socialistes? Il y a l'idée que le tout est réductible au jeu des partis. Pour les libéraux, c'est le jeu des individus. Et bien, dans une certaine pensée critique, et malheureusement, je pense que tu es encore englué dedans, et bien, quelque part, pour toi, il n'existe. Le tout est réductible au jeu des partis. Alors, pour toi, ce n'est pas les individus. Quoique, dans la très courte conclusion qui fait qu'une demi-page, je l'ai entouré dans le... Quoique dans ta conclusion, le mot individu apparaît d'ailleurs. Et ça ne m'étonne pas. C'est qu'une demi-page ta conclusion, mais le mot individu... Je vais prendre le mot individu apparaît. Il faut que les individus soient libres. Je ne sais plus là. Non.
Trois pages, excuse-moi, il faut. Mais attends, je n'ai pas la même conclusion, moi. Enfin bref, je vais retrouver la séparation. Voilà. Il y a le mot indiqué. Voilà. Ton propos, c'est de dire qu'il y a d'un côté l'État qui n'est pas bien. Enfin, il y a le capital qui n'est pas bien, mais ça, on sera d'accord. Il y a l'État qui n'est pas bien. Et donc, il faut prendre appui sur les travailleurs librement associés. Mais d'abord, les travailleurs librement associés, quand ils s'associent, tu opposes démocratie, au sens fort du terme, et représentation. Je t'invite, je vous invite tous à lire un auteur qui s'appelle Jean-Claude Milner, qui vous dit que le peuple, fondamentalement, là où il existe de la façon la plus forte, c'est le moment des élections. C'est là où il se constitue un peuple. Parce qu'autrement, il n'y a que des fragments du peuple, qui n'ont rien d'illégitime, manifestations, tout ça, très bien. D'accord? Mais là où le peuple en tant que tel existe comme peuple, au singulier, si je puis dire, eh bien, c'est au moment des élections. D'accord? Parce qu'on est tous placés sur un strict plan d'égalité. Et les travailleurs associés eux-mêmes, d'ailleurs, quand ils font des syndicats, des associations, etc., mais qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire? Mais ils sont obligés d'élire des représentants à un moment donné. C'est obligatoire. Si on n'est pas un libéral ou un libertaire et qu'on considère que les intérêts de la structure, du syndicat, de l'association, eh bien, ils doivent être pris en charge, les intérêts, l'intérêt général, eh bien, on est obligé d'élire des représentants. On sait que le pouvoir, ça peut conduire au pire. Bien sûr, mais il y en a besoin. Et la pire façon de lutter contre les dérives du pouvoir, qui sont bien entendu réelles, à tous les niveaux, association, État, bien sûr qu'il y a des bureaucraties d'État. Je suis d'accord avec toi, il ne s'agit pas d'enjoliver l'État. Dans mon bouquin, je n'hésite pas à dire qu'il faut balayer devant sa porte. Oui, les services publics peuvent être mal gérés, bien sûr. Et donc, il y a besoin, y compris de remettre ça sur l'établi en permanence. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire que l'État social, c'est toujours bien, c'est toujours propre, c'est toujours merveilleux. Non, il peut y avoir des lourdeurs administratives bureaucratiques, etc. Très bien. Bon, je suis toujours pour partir du principe que les adversaires mettent toujours l'accent sur quelque chose qui est pertinent. Quand une thèse des adversaires porte, ça veut dire qu'ils mettent le doigt sur quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on a la même réponse. Mais ils mettent le doigt sur quelque chose sur lequel on doit répondre. Et les libéraux, à leur façon, Public Choice et compagnie, quand ils disent l'État dysfonctionne, bah, quelque part, ils mettent le doigt sur le fait que oui, bah, l'État, il ne fonctionne pas toujours très bien, bien entendu, donc c'est un défi à relever, c'est pas ça. Mais dans tous les cas, il y a besoin de pouvoir à tous les niveaux, hein, y compris. Donc il n'y a pas d'un côté la démocratie directe, pure, qui serait merveilleuse, les travailleurs associés, etc. Puis de l'autre côté, le système représentatif. Non, ça, c'est une pensée, excuse-moi, mais enfin, particulièrement pauvre de la démocratie. Enfin, il y a quand même 2 siècles de pensée de la démocratie, voilà, qu'il faut quand même reprendre à son compte. Voilà, donc dire que la vraie démocratie, c'est la démocratie directe, et que dès qu'il y a de la représentation, on plonge dans la domination. Enfin, tout ça, c'est enfin, de mon point de vue, ça fait vraiment pas avancer le Schmilblick. Donc voilà, je pense que l'État social, bien entendu, pour une part, il rejoint, parce que dans mon ouvrage, je dis, les classes sociales, ça existe, bien sûr. Les mouvements sociaux, ça existe. Il ne s'agit pas de nier ça. La lutte des classes, ça existe. Mais la question qui se pose, c'est quel débouché on lui donne? Quel débouché on lui donne? Et mon point de vue, c'est de dire que finalement, à y bien réfléchir, c'est le citoyen qui émancipe le prolétaire. C'est le citoyen qui émancipe le prolétaire, c'est le citoyen qui contribue à déprolétariser dans le sens de dépasser cette condition prolétarienne, etc. D'accord? Donc pourquoi? Ben parce que le citoyen, ben, en étant citoyen, le prolétaire peut dire ben, je compte finalement, je compte autant que mon patron. D'accord? C'est ça le principe de la démocratie politique. Et donc partant de là, je suis légitime, y compris en passant par la loi, à remettre en cause éventuellement le pouvoir de mon patron dans l'entreprise. Bon, et donc, voilà, je pense que, je pense que vraiment l'émancipation, hein, c'est pas d'en rester à l'éloge du mouvement social par en bas, comme tu dis, etc. Non, il faut dépasser ça. C'est bien les mouvements par en bas, mais si ça reste que par en bas, ça ne produit pas grand-chose. Et donc, je pense qu'il faut, à un moment donné, s'élever à l'intérêt général ou à la généralité. C'est tout le sens de l'économie républicaine. Je te passe la balle. Bien, merci Christophe. J'ai essayé de m'élever. Tu as lancé la discussion, donc maintenant,
dis pas la défense, mais la parole est à Nicolas Da Silva. Si vous me laissez une minute, je mets le PowerPoint. Je pense que je vais être obligé de m'en libérer un peu, n'est-ce pas? Partager l'écran. J'y arrivais tout à l'heure, maintenant j'y arrive plus. C'est l'émotion. Il faut d'abord ouvrir le fichier. Ça est ouvert, il est ouvert. Il faut un peu plus sur partage. Partager l'écran. Ça fait peut-être un truc qui sont plus souvent en haut. Parler comme ça, non, je peux parler comme ça. Tu peux partager? Non, mais je ne veux pas. Allumé. J'ai vu hier, il faut faire un super style. Il y avait plus de temps, déjà. C'est pas grave. J'ai mis bien. Oui, j'ai réussi tout à l'heure, mais j'arrive. C'est l'égalité citoyenne, il faut que vous soyez dans les mêmes conditions. Oui, non, moi aussi j'ai les PowerPoint, mais bon, c'est pas très... En fait, c'est que j'ai préparé un dessin pour toi. Oh ça, je veux le voir à tout prix. Alors là, on arrête tout. Ouais, j'essaie de remonter peut-être parce que j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Ça y est, t'as un dessin. Ouais. Là, si ça marche pas, bah, tu le verras toi, mais le bas ne le verra pas. Bah oui, tout à l'heure ça marchait. En fait, il est ouvert, il est là. Il y a des feutres, hein, si tu veux reproduire ton dessin de tableau. Non, je ne sais pas. Tu crois que ça va marcher ou pas? Oh là là, ça va marcher, vous vous rendez compte? La chance qu'on a. Voilà. Ah, le dessin. Désolé pour l'attente, hein. Alors, bonjour à tout le monde. D'abord, je voudrais commencer par quelques remerciements. Évidemment, merci aux organisateurs, organisatrices du séminaire qui m'aident même jusqu'au dernier moment. Hein, et c'est pas fini. Hein. Merci aussi, comme c'est l'occasion de présenter un livre, j'imagine que c'est la même chose chez toi. Un livre, ça se fait jamais tout seul, et moi j'ai pu bénéficier de l'aide de beaucoup de gens, et je voudrais remercier tous les membres qui sont ici, mais plus généralement je voudrais remercier tous les collègues du CEPN, quels qu'ils soient, parce que le CEPN pendant des années ça a été un endroit extraordinaire pour faire de la recherche. J'espère que ça continuera comme ça, et du coup c'est l'occasion de souhaiter à Merdad de réussir à maintenir une excellente ambiance de travail. Ensuite, le deuxième remerciement, qui celui-ci était quand même plus prévu, c'était pour toi. Alors évidemment, après, bon, on va ferrailler. Mais je voudrais remercier d'avoir accepté l'invitation, de prendre le jeu sérieusement, et puis on va essayer d'avoir une discussion très sérieuse. Et je voudrais dire tout d'abord que si je suis content que tu sois venu, c'est parce que bah, quand
J'ai lu tes travaux, la première fois, c'était en 2012 avec la sortie de l'État social, que je garde comme une relique et que je relis régulièrement, parce que c'est un ouvrage de référence. J'ai trouvé dès le début que c'était un super bouquin, qui disait beaucoup de choses très importantes, et je le pense toujours. En plus, moi, enfin, il faut se rendre compte, hein, moi, en 2012, je suis doctorant depuis 2 ans, je vois que ce bouquin sort, j'attends qu'une seule chose, c'est de l'acheter. Alors, je ne peux pas l'acheter, du coup, c'est ma belle-mère qui me l'offre à Noël. Et alors, à Noël, qu'est-ce qui se passe entre deux parties de belote, qu'est-ce que je fais? Je lis l'État social et je suis heureux de lire l'État social. Pour moi, c'est Noël, c'est un bonbon, c'est un caramel, c'est une gomme au sucre, vous voyez. Franchement, j'étais heureux et je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont importantes dans ce livre et que tu répètes dans le nouveau, que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lire, mais que tu as souligné à nouveau. Alors, j'ai mis quelques points, mais j'avais prévu d'aller vite puisque de toute façon, je me doutais que tu allais revenir. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles je suis tout à fait en accord. Hein, cette idée d'avoir une définition large de l'État social, l'idée de dire que l'État social, ça marche. Parce que ça distribue, ça redistribue des revenus, parce que ça réduit les inégalités, parce que ça réduit la pauvreté. Ça, je suis entièrement d'accord. L'État social est toujours là, évidemment. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Enfin, il faut arrêter le misérabilisme. Évidemment qu'il y a des réformes contre lesquelles il faut se battre et qui ont des effets délétères, mais l'État social est encore là, et heureusement en 2007, heureusement en 2020, heureusement qu'il a été possible de continuer à payer les gens alors que c'était le confinement. Super nouvelle. Donc en 2012, l'État social, quand il sort, j'adore l'État social. Et alors la question qui se pose, et à laquelle je vais essayer de répondre, différemment, évidemment, de ce que tu as fait, je vais expliquer pourquoi, c'est mais comment est-ce qu'on passe de l'adoration de l'État social à sa critique radicale, hein. Et donc, c'est l'enjeu du livre. D'ailleurs, le nom que j'avais prévu au début, c'était pas la bataille de la Sécu, ça, c'est un super nom trouvé par l'éditeur, merci à l'éditeur. Non, moi, le nom que j'avais trouvé, c'était un truc plus académique, hein, la sociale contre l'État social. Économie politique du système de soins. Voilà. Parce qu'évidemment, et ça me permet de dire quelque chose, je vais être beaucoup moins ambitieux que Christophe, parce que je n'ai pas toutes ces qualités. Moi, je ne suis pas capable de faire une théorie de l'État, pas capable de faire une théorie du capital, de la démocratie, de toutes ces choses que tu as mentionnées. J'espère évidemment continuer à travailler sur ces sujets pour avoir des choses à dire sur toutes ces problématiques et avoir quelque chose de plus articulé pour la prochaine rencontre. Mais je vais essayer d'expliquer pourquoi j'en viens à cette critique radicale, et ça me permet de donner un petit peu ma méthode, la façon dont j'ai travaillé. En fait, moi, ce n'est pas du tout d'abord une méthode théorique. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais la question que je me pose, c'est finalement, comment est-ce qu'on est arrivé au début de la recherche, en 2012, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer l'État social? Comment est-ce qu'il naît? C'est quoi la dynamique institutionnelle? Qu'est-ce qui fait que ce truc-là arrive? Et c'est en me posant cette question-là, parce qu'évidemment, j'ai, comme tout le monde, des préoccupations politiques à côté des préoccupations académiques. Parce que moi, j'ai envie que les politiques sociales soient meilleures. Ma mère est femme de ménage, j'ai envie qu'elle ait un meilleur salaire, qu'elle puisse se mettre en arrêt de travail sans avoir peur de ses patrons. Mon père, comme tout le monde, j'ai des préoccupations politiques et je me dis, j'aimerais bien que l'État social grossisse. Peut-être pas de façon illimitée, j'en sais rien encore en 2012, mais en tout cas, j'aimerais que ça aille mieux. Et donc, je me pose la question. Et en fait, c'est une question naïve qui est aussi à l'origine de ce livre. C'est, mais en fait, d'où ça vient, ces trucs-là? Et pourquoi aujourd'hui, on nous dit qu'on ne serait pas capable d'avoir un État social plus fort? Et donc, une des façons d'introduire cette recherche, ce questionnement, c'est celle que j'utilise dans le bouquin. Et ça introduit aussi ma méthode, qui est beaucoup plus, disons, de réflexion de dynamique institutionnelle, historique. C'est comment est-ce qu'on explique que... En 1945-46, c'est la fin de la guerre. Les gens mangent avec des tickets de rationnement. Le pays est détruit, en partie. Ils font la sécu. C'est ça qui se passe. Eux, ils connaissent la pauvreté. Nous, c'est pas ce que c'est que la pauvreté. Je veux dire, même moi qui viens d'une famille d'ouvriers, et pas les plus pauvres, on ne sait pas vraiment ce que c'est la pauvreté par rapport à cette époque-là. Ils font la sécu. C'est ça. Aujourd'hui, on nous dit qu'on ne peut pas étendre la sécu. Aujourd'hui, on nous dit qu'on ne peut pas trouver des financements suffisants pour investir dans les hôpitaux, en finir avec les déserts médicaux, des choses
qui en plus, quand on est un peu moins naïf et qu'on regarde les comptes, on se rend bien compte qu'il aurait de l'argent pour le faire. Hein, comment on explique ça? Et ma question, c'est d'abord une question politique, hein, une question d'économie politique. Pourquoi ce qui, à un moment, est impossible, devient, au moment d'après, tout à fait possible, même souvent nécessaire? Il se passe exactement la même chose en 2020. Vous avez Emmanuel Macron, on s'en rappelle, 2018, hôpital de Rouen, il discute avec une infirmière. Et lui, l'infirmière lui dit, mais vous vous rendez compte, il pleut à l'intérieur. Alors, il ne dit pas ça, elle aurait pu le dire, hein, il pleut à la fac à Vitaneuse, hein, mais dans plein d'endroits. Et vous vous rendez compte, on n'a pas les moyens de travailler. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, il n'y a pas d'argent magique. En 2020, deux ans plus tard, pas parce qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, pas parce qu'il y a eu le mouvement des hospitaliers en 2019, parce qu'il y a la pandémie qui remet en cause la stabilité politique et sociale, on trouve de l'argent pour faire le confinement. On trouve de l'argent pour étendre la sécurité sociale. On ne le dit pas assez. Évidemment, la gestion de la pandémie a été désastreuse. Mais en 2020, l'État social croît. Hein. Il y a de nouveaux droits qui viennent. Il y a moins de ressources, mais il y a de nouveaux droits. C'est incroyable. Par exemple, la télémédecine, les vaccins, tout ça a été payé. Hein. Comment, c'est ça ma question fondamentale, comment ce qui était impossible devient possible? Et c'est en me posant cette question-là que je me rends compte que l'État social n'est pas ton ami. Et je vais essayer de l'expliquer. Alors, bon, le bouquin, puisqu'il s'agit de parler du bouquin, il commence avec l'idée qui est assez classique finalement, qui est classique, ça dépend des auteurs, mais voilà, l'idée c'est de dire que voilà, la question de la prise en charge des politiques sociales, moi c'est surtout la santé, hein, je connais beaucoup plus de choses que moi, je vais rester sur la santé. Les politiques de santé, les politiques sociales en général, la façon dont ces questions, la prise en charge publique de ces problèmes se posent, change avec la transition du fédéralisme au capitalisme. Après, on peut avoir une lecture un peu différente, on peut dire qu'il y a des changements démographiques. Bon, mais moi, c'est le point de départ que je prends, mais surtout, et c'est là-dessus que je veux insister aujourd'hui, je veux insister sur la dimension du conflit, l'importance du conflit dans la construction des institutions. Et ici, les institutions qui m'intéressent, c'est-à-dire les institutions du soin, des soins de santé. Alors, bon, j'ai un plan, Philippe m'arrêtera quand j'aurai trop débordé. Donc, ce par quoi je voudrais commencer, c'est, dans le bouquin, je commence par la Révolution, je vais en parler rapidement, mais je voudrais commencer par les mutuelles, parce qu'on va voir à quel point c'est important, ce mouvement mutualiste, et à quel point le refus de l'État de mettre en place des politiques sociales va donner naissance à une auto-organisation, à des mouvements auto-organisés qui vont, parce qu'ils n'ont pas le choix, pas parce que ce sont des gens qui sont plus purs que d'autres, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont construire des institutions de la protection auto-organisées. Et donc c'est ce point de départ que je voudrais prendre sur les mutuelles pour ensuite passer sur comment se crée réellement l'État social dans les statistiques, quand est-ce que devient vraiment important, et parler de la deuxième forme, à mon sens, d'institution de la protection sociale, que j'appelle la sociale dans le bouquin. Alors, je ne l'appelle pas tout seul, hein, ce bouquin, il est lié aux travaux du CEPN, mais en particulier celui avec Philippe et Merdad, qui sont ici. Et donc, on appelle ça, dans le fameux article Public Choice, ça, la sociale, pour désigner une forme de protection sociale auto-organisée. Alors, je le dis comme ça, on incise, j'insiste pas, auto-organisé, ça ne veut pas dire pas obligatoire. Hein. Bon, la sécu, c'est obligatoire et c'est tant mieux, il n'y a pas de problème. Hein. Là, je ne sais pas où est-ce que tu as vu que je disais que ce n'était pas bien l'obligation. D'ailleurs, c'est très bien, il n'y a pas... Oui, au contraire, je dis que tu... Très bien, c'est bien. Donc, venir là-dessus et montrer ce qui est très important pour moi, c'est que, en fait, l'État social ne vient que pour stabiliser un ordre établi. Et l'État social, lorsqu'il dirige des politiques sociales, ça, ils donnent une coloration aux politiques sociales, alors que quand ce sont les intéressés eux-mêmes qui dirigent la politique sociale, ils en donnent une autre coloration. Ce n'est pas simplement un enjeu politique, ça a des conséquences sur l'organisation économique. Et montrer comment, effectivement, c'est par le mouvement auto-organisé, le mouvement social, que tout ça s'est construit, et pas du tout par les voies du parlementarisme, de la discussion, de l'élection, enfin ce genre de truc. Enfin, tout ça, c'est des histoires qu'on raconte aux enfants en troisième pour qu'ils ne se posent pas trop de questions après quand ils sont sur le marché du travail. Hein. Allons-y. Donc, sur les mutuelles, en fait, quelque chose qui est très
frappant quand on commence à s'intéresser à l'histoire des institutions de la protection sociale, c'est que dès la Révolution, la question de savoir s'il faut que l'État prenne en charge les soins de santé, d'autres politiques sociales, se pose tout de suite. Et il y a déjà des gens tout de suite qui disent qu'il faut le faire. D'accord ? Donc ce n'est pas une question, une question neuve. Et à partir de cette question liminaire, toutes les critiques que l'on connaît et tous les arguments pour le faire que l'on connaît aujourd'hui, elles datent de cette période. Le débat, les thèmes du débat changent que très peu. Et en fait, qu'est-ce qui change ? Bah, ce qui change, c'est les rapports de force et le niveau de conflictualité. Et ce qui va se passer à la fin de la période révolutionnaire, c'est que finalement, dans une première étape, l'État refuse de mettre en place des politiques sociales. En 1793, on a une nouvelle conception de la démocratie qui est radicale. Enfin, je dis une nouvelle conception de la démocratie, mais en fait, ce n'est pas moi qui ai cette conception de la démocratie. À cette époque-là, il est très clair pour les constituants qu'il y a une opposition entre la démocratie et la représentation. Et ça, c'est assez fondamental, c'est de savoir qui doit exercer le pouvoir. Donc, c'est quelle modalité du pouvoir. Et donc, en 93, il y a déjà plein de lois où on explique que ce serait bien que dans chaque circonscription, il y ait des gens qui puissent avoir accès à des médicaments, un médecin, un officier de santé, etc., etc. Donc il y a déjà une façon de penser ça. Il y a déjà plein d'hôpitaux. Enfin, donc, et l'État pourrait le faire. La dernière période de la Révolution arrête avec tout ça, stoppe avec tout ça. Il dit finalement, on ne fera rien. On va rester sur la question on va rester sur la réponse de l'interdiction. On va interdire aux gens de s'associer. On va dire que l'État, ce n'est pas de son rôle de prendre en charge des politiques sociales. Et finalement, on ne va rien faire. Pire que rien faire, c'est qu'on va interdire. On interdit les mutuelles, on interdit l'association avec les fameuses lois, le Chapelier et le décret d'Alarde. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y a ces interdictions, parce que les ouvriers, la classe ouvrière qui est en train de croître, elle est face à l'interdiction de l'État, face au refus de l'État de créer des politiques publiques, mais aussi de l'autre côté, face à la pression et la répression dans les entreprises, dans l'atelier, ils sont contraints. C'est pas par vertu. Probablement qu'il y avait des gens vertueux parmi ces ouvriers, mais ils sont contraints de s'auto-organiser. Parce que s'ils ne s'auto-organisent pas dans des mutuelles qui sont interdites, alors ils sont incapables de prendre soin d'eux. Donc, et c'est comme ça que naissent les premières mutuelles que je propose d'appeler, mais enfin, c'est pas moi. Moi, je reprends les travaux des gens qui sont les historiens les plus reconnus sur le sujet, naissent des mutuelles qui sont subversives de l'ordre social. Et elles ne sont pas subversives par plaisir, elles sont subversives parce que l'état du conflit les oblige à être subversives. Et avancent comme ça pendant tout le siècle, cette opposition de l'État à des politiques sociales, notamment dans le domaine de la santé. Et ce qui est très intéressant, à mon avis, c'est pour ça que je passe un peu de temps là-dessus, c'est que la façon de gérer ce problème par l'État va changer en 1852. Alors, je parle de 1852, mais je pourrais parler de juste avant la République, de 1848, parce qu'ils ont des mêmes façons de penser le problème. En 1852, ce que fait l'empereur, c'est qu'il va dire « je vais arrêter d'être dans la répression pure ». Ce qu'il va faire, c'est qu'il va se réapproprier l'esprit de l'institution, mais en la vidant de sa dimension subversive. Et c'est le fameux décret donc, de 1802 sur les mutuelles, où on crée deux statuts de mutuelles, les mutuelles approuvées et les mutuelles autorisées. Les mutuelles qui sont approuvées sont des mutuelles qui acceptent un contrôle politique par le régime impérial. Comment ça se concrétise, tout simplement, ça va être le préfet, le maire qui vont diriger ces mutuelles, qui vont les contrôler et donc décider de comment sont allouées les ressources dans les mutuelles. En échange de ce contrôle politique, ces mutualistes, ils vont avoir tout un tas d'avantages financiers. Donc on est déjà dans la politique de l'incitation avant l'heure. À côté de ces mutuelles autorisées, ces mutuelles approuvées, il y a des mutuelles autorisées où vous avez la possibilité, le droit de vous organiser en mutuelle pour organiser le secours aux collègues ouvriers.
Cependant, vous n'avez que ce droit-là. Et en acceptant, en prenant le statut de mutuel autorisé, les ouvriers, alors, ils s'auto-sélectionnent. Ils disent, nous, on ne veut pas l'approbation parce qu'on ne veut pas du contrôle politique. On veut pouvoir s'organiser comme on veut parce que nos buts sont différents des vôtres. Et donc, c'est extraordinaire parce que c'est à ce moment-là où on voit que enfin, l'État se réapproprie la critique sociale. Il récupère l'institution pour la vider de sa substance, la vider de sa subversion. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là où vont se séparer deux branches du mouvement social, celui qui va rester le mouvement mutualiste, accompagnateur du capitalisme industriel, et le mouvement syndicaliste, qui pour l'instant, on est en 1852, le syndicalisme, c'est encore interdit. Et donc, on va avoir ce mouvement de séparation. Et les mutuelles, le contrôle politique, ce n'est pas simplement un contrôle politique, c'est un contrôle politique, économique, moral, social. Parce que, comment fonctionnent ces mutuelles ? Ben, elles fonctionnent sur des principes très différents. J'ai parlé du contrôle politique, j'aimerais parler du contrôle social. Dans ces mutuelles, l'enjeu, ce n'est pas moi qui parle, je cite plein de gens, parce que finalement, moi, j'ai qu'une connaissance secondaire de ces sujets. Hein. Par exemple, l'historien Olivier Faure, il le dit, hein, en fait, l'objectif de ces mutuelles approuvées et des gens qui les dirigent, c'est de moraliser la classe ouvrière. Alors, ça veut dire quoi, la moraliser ? Ben, c'est tout ce qu'on connaît aujourd'hui, déjà là. C'est-à-dire, on va vérifier si, lorsque tu demandes ce qui t'est dû, tu es méritant, si tu n'es pas dans l'abus, si ben, tu as un problème de santé, mais est-ce que tu n'es pas alcoolique ? Est-ce que tu t'occupes bien de tes enfants, etc., etc. Donc, il y a une forme de paternalisme social dans la mutuelle approuvée qui n'existe pas dans la mutuelle autorisée, puisque dans la mutuelle autorisée, il n'y a pas ce pouvoir politique qui est là surplombant et qui décide à la place des gens ce qui est bon pour eux. Je passe sur les mutuelles, mais elles connaissent un processus d'intégration au capitalisme dont l'apothéose va être 1941, avec l'exception de la charte du travail. Hein. On pourrait y revenir. Et alors, ce 19e siècle, il se passe plein de choses. Et l'État fait plein de choses, enfin décide de ne pas faire plein de choses. Et ce 19e siècle, où ça parle beaucoup d'État social, ben, celui qui en parle le mieux, c'est Robert Castel, citant le sociologue Numa Murad. En fait, l'État social, jusqu'à 14, ça n'existe que dans les discours. Hein, c'est du papier, l'État social, il n'y a rien. Mais ça parle, ça jacasse tout le temps. Et pendant ce temps-là, les gens meurent. Hein. Enfin, la vérité du 19e siècle, nous, on est des privilégiés à côté. Hein. Okay. Donc, alors, et je vous ai mis des tableaux, mais simplement pour donner un ordre d'idée. Hein. Jusqu'en 1815, donc là, on est le premier tableau. Là. Jusqu'en 1815, les dépenses publiques dans le PIB, alors c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, hein, reste à 11%, ce qu'il était au moment de la Révolution. Hein. Ce n'est qu'après... Enfin, jusqu'en 1912, pardon. Ce n'est qu'après la guerre qu'on va voir naître dans les statistiques et donc dans la politique sociale, l'État social. Pourquoi ? Et c'est la thèse centrale, une des thèses centrales, parce qu'en fait, l'État social, ça naît de la guerre totale. Ce n'est pas un truc gentil. Alors, comment naissent ces politiques ? Alors, et là encore, il y a plein de travaux de politistes qui parlent de ça. Et j'aime assez bien un article qui explique que voilà, il y a trois moments dans lesquels les politiques sociales naissent, la préparation à la guerre, la conduite de la guerre, les conséquences de la guerre. Je vais aller vite parce que j'imagine que je suis très lent. La préparation à la guerre, par exemple, à la fin du 19e siècle, eh bien, on a des politiciens qui sont inquiets parce que, en fait, en France, il y a moins d'enfants qu'en Allemagne. Et en fait, le problème, c'est que les enfants et les futurs enfants, bah, c'est les futurs soldats. Et donc, on va mettre en place tout un tas de politiques sociales pour favoriser la natalité. C'est des politiques natalistes. Dans l'armée, on va mettre en place tout un tas d'institutions de santé. Là, c'est ce qui m'intéresse le plus directement. Les politiques familiales, ce n'est pas vraiment mon domaine de spécialité. Et en fait, l'armée, ça va être une historienne, Anne Rasmussen, qui en parle. Hein. Et en fait, l'armée, c'est un laboratoire de la politique de santé pour la suite, notamment sur les questions d'hygiénisme, de vaccination, etc., etc. Ça, c'est la préparation à la guerre. Mais évidemment, là encore, la préparation à la guerre, les politiques sociales ne sont pas très développées. Donc, le poids des politiques sociales dans le PIB, ça ne représente pas encore beaucoup. Ce qui va compter énormément, évidemment, c'est le déclenchement de la guerre. Et en fait,
On a tendance, je le dis ici, on a tendance, nous les économistes, à considérer, enfin je parle de nous les économistes, enfin, en fait non, on a tendance, beaucoup d'entre nous, je ne vais pas dire qui parce qu'on est très différents en fait, on a tendance souvent à considérer le temps, la chronologie, d'une manière assez bizarre. C'est-à-dire que, en fait, les guerres, c'est des parenthèses. Les guerres, c'est des parenthèses entre les moments de paix. Et donc, peu importe ce qu'il y a au milieu. D'accord ? Et, par exemple, moi, j'ai été, j'ai été à la fac et c'était comme ça, on nous dit toujours, après 45, il se passe ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Comme si le début de la période, c'était la fin de la guerre. Alors que pas du tout. Le début de la période, c'est le début de la guerre. Parce que la guerre change la société. Quand on arrive à la fin de la guerre, on a changé de société par rapport au début de la guerre. D'accord ? Alors, de plein de façons très différentes. Juste un mot, parce que je vois que c'est écrit et du coup ça me fatiguait. Là, on parle des guerres totales. Pourquoi les guerres totales ? Parce que les guerres totales, celles qui sont habituellement celles dites du XXe siècle, Première et Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait, elles ont une spécificité, c'est qu'elles impliquent toute la population. Il n'y a plus de différence entre le citoyen et le soldat. Alors que quand on a des guerres traditionnelles, on a une séparation entre les deux, et finalement, les guerres impactent peu sur la vie de la société. Et bien, quand on est dans une guerre totale, en fait, c'est toute la société qui change, toute la société qui bouge. Et il y a un alors je crois que c'est un politiste, je ne me rappelle plus son nom, je crois qu'il s'appelle Broussy, il est cité dans le bouquin. Il dit un truc incroyable, il relève un paradoxe incroyable, c'est qu'en fait la guerre, quand on regarde la guerre, on imagine un obus, on a tous vu ça dans les films, un obus, en fait c'est une image de désordre total, d'anarchie, un obus qui explose sur un tas de terre, s'il y a des hommes ou des femmes, ça broie tout, c'est l'anarchie complète. L'anarchie au sens absence d'ordre. Mais pour créer ces déflagrations, en fait, il faut de l'ordre. Il faut un niveau d'ordre à l'arrière extraordinaire pour créer du désordre sur le front. Comment fonctionnent les sociétés, qui sont en état de guerre et de guerre totale ? Elles sont beaucoup plus centralisées. La planification est un niveau très élevé. Et d'ailleurs, on entend parler de ça, on a plein de collègues en ce moment qui parlent de ça, la planification. Oui, en fait, la planification, c'est quelque chose qui naît en Europe beaucoup avec la guerre. Tout un tas d'autres choses qui naissent avec la guerre, auxquelles nous sommes très attachés aujourd'hui, qui sont liées à l'État. Par exemple, l'impôt. L'impôt sur le revenu, et là, on va citer quelqu'un de pas extrêmement radical, Thomas Piketty, il a montré ça dans ses bouquins. De toute façon, tous les historiens montrent ça. L'impôt sur le revenu, il est en débat pendant 30 ans. On ne le fait jamais. Quand est-ce qu'on le fait ? En 14. Il se passe un truc en 14. Hein. On met en place l'impôt sur le revenu au moment où commence la guerre, parce qu'il y a des exigences nouvelles. Ce qui était impossible hier devient possible maintenant. Et évidemment, l'État social va se développer beaucoup quand ? Au moment où il y aura les conséquences de la guerre. Alors, pour des raisons d'abord territoriales, on récupère l'Alsace et la Moselle, et on sait à quel point ça a été important dans les réflexions sur le type de système de protection sociale, mais aussi parce que la guerre totale crée des nouvelles catégories de la population, des catégories de population qu'il va falloir aider, vers lesquelles naissent de nouvelles solidarités nécessaires, sous peine de troubles à l'ordre social. Hein. D'accord ? Ça va être les veuves, les orphelins, hein, les anciens combattants, tous ces gens-là qui ont payé ce que les historiens appellent l'impôt du sang. On ne peut pas les laisser comme ça dans un coin, sinon ça va être la révolte. Hein ? Et donc pourquoi croissent les états sociaux à ce moment-là ? Parce que c'est pour garder un niveau de stabilité politique important. Hein ? On pourrait reparler du lien entre guerre totale et état social avec la Covid, mais c'est peut-être pour plus tard. Donc, quand même, l'État social n'est pas du tout quelque chose qui vient de la reconnaissance d'élites politiques qui se rendent bien compte que finalement les pauvres souffrent et il faut les aider. Ça ne naît pas du tout de décisions démocratiques liées au suffrage universel ou à des gentilles manifestations de gens bien élevés qui demandent gentiment des choses. Ça naît du conflit, et du conflit extrêmement violent.
Et c'est pour ça qu'en fait, on ne peut absolument pas séparer la main gauche et la main droite. Elles sont inextricablement liées. Ça, c'est une première lignée historique pour expliquer les institutions de la protection sociale. Une deuxième lignée historique, c'est la résistance à l'État et au capital. Alors, je ne vais pas trop parler du capital, parce que déjà, je suis long, et parce que j'ai l'impression que, bon, d'une certaine manière, c'est un point de convergence, au moins jusqu'à un certain point. Alors, la résistance à l'État. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai passé du temps dessus. Les mutuelles subversives, elles sont en résistance à l'État parce qu'elles s'organisent alors que c'est interdit. La liberté d'association n'existe pas. Hein. Elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est des ouvriers qui n'ont pas le choix. Ils font ça parce qu'ils n'ont pas le choix, sinon ils n'ont pas, d'accès à des organisations sociales qui les permettent de survivre. On voit ça historiquement en France à deux grands moments qui sont très connus dans l'histoire de France, pendant la Commune. La Commune, c'est très connu. C'est un moment où les communards s'organisent, non pas contre les Allemands, contre qui ils ont résisté. Oui, ils seraient quand même, si je puis me permettre. C'est quand même le point déclenchant, ça. C'est le fait que le pouvoir en place décide finalement de plumer la guerre. Donc c'est d'abord une guerre de libération nationale. Même Marx l'a reconnu. Je vous parle. Donc, la Commune, elle se lève contre l'État, contre la Troisième République. Évidemment qu'ils sont dans l'opposition au gouvernement parce qu'ils acceptent la capitulation face aux Allemands et qu'ils ont résisté pendant tout l'hiver et ils ont été obligés de manger des rats pendant l'hiver. Évidemment. Mais c'est pas tout. C'est la première assemblée de la Troisième République, très conservatrice, qui vote la fin des bénéfices du Mont-de-Piété, qui vote la fin des moratoires sur les loyers, qui vote des politiques sociales, qui mettent les gens dans une situation qui est intenable. Et c'est pour ça aussi qu'ils se révoltent. Ce n'est pas simplement parce qu'on signe la paix, pas du tout. C'est aussi parce que la politique sociale qui est portée par la Troisième République, elle est scandaleuse. Alors, ça, on est d'accord. Oui, ben, merci de t'avoir lié à moi. Alors, donc ça, c'est la Commune. Mais évidemment, la Commune, et c'est ça le point de départ, et la naissance de la République, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'écrasement de la Commune, hein, d'accord? Et c'est pour ça que d'ailleurs, si vous avez fait gaffe à mon tableau tout à l'heure, le premier point de le premier poste de dépense sociale qui augmente après 1870, c'est pas les politiques de santé, les politiques de retraite ou les anciens combattants, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des hussards noirs qui vont se battre contre deux choses, qui vont se battre contre l'Église et aussi contre le souvenir de la Commune. C'est à ça que ça sert l'éducation nationale aussi. Il faut le rappeler. Alors, donc ça c'est la Commune. Évidemment, la Commune est écrasée. Et revient uniquement dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, cette sociale, cette organisation par le bas. Pourquoi? Parce qu'en France, la Seconde Guerre mondiale est très particulière. En France, la Seconde Guerre mondiale, c'est la résistance à l'État, l'État qui collabore. Évidemment, c'est la guerre contre l'Allemagne, etc. Mais c'est aussi la résistance à l'État. Et donc, il y a un retour de cette auto-organisation contre l'État, qui est l'État légal. Et c'est pour ça qu'à la fin de la guerre, il n'est pas possible de donner tout le pouvoir politiquement à l'État. Évidemment que l'État reste très fort et très dominant, évidemment, mais ce n'est pas possible de tout donner à l'État. Et c'est pour ça qu'il va y avoir une distinction très importante entre les étatisations, comme à Renault. Et Renault est étatisé, c'est l'État qui nomme les personnes qui vont se charger de faire la répression ouvrière, enfin de faire les ressources humaines à Renault, alors que pour la Sécu, ça se passe différemment. Pour le régime général de la sécurité sociale, ça se passe différemment. On va donner le pouvoir directement aux intéressés. Et comment ça se passe la Sécu, on a oublié. Maintenant, on le sait de plus en plus, puisque ça commence à être popularisé, dans un contexte où on est obligé de résister à l'État. La sécurité sociale, le régime général de sécurité sociale, pardon, il est dirigé en majorité par les ouvriers. Et c'est un régime qui est obligatoire. Évidemment qu'il est obligatoire, enfin, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Hein. C'est ça la grande nouveauté avec la politique sociale et
en particulier avec la politique de santé, c'est qu'on va avoir un régime général qui est dirigé par les intéressés eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va réussir à mettre fin à toutes les formes de paternalisme social qui existaient auparavant. Arrêtez de dire aux gens, mais ta prestation, tu l'as méritée. Non, on te la donne. Parce que tu es ouvrier comme moi, je vis ta vie. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une forme de mépris social vis-à-vis de toi. Donc, ça, c'est ça qui se passe. Et d'ailleurs, quand je dis paternalisme social, on pourrait se dire, oh, Dacidre, il exagère avec les mutuelles. Pas du tout. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Larocque. Pierre Larocque, premier directeur de la Sécurité sociale, c'est lui qui le dit, que les mutuelles de la Troisième République puis de Vichy étaient devenues une forme de paternalisme social qui décidait pour les gens, à leur place, comment ils devaient utiliser leurs propres cotisations. Et donc, c'est ça la nouveauté extraordinaire, extraordinaire du régime général de sécurité sociale en 45-46, qui va permettre d'accroître la production publique de santé. Et quand je dis production publique, ce n'est pas une production étatique. Hein, le règne de l'obligatoire, le règne de la loi, n'a aucune raison de coïncider avec le règne de l'État. Je veux dire, enfin, on peut très bien avoir des lois sans État, ce n'est pas du tout un problème, hein, de l'obligation sans État. Enfin, je veux dire, et la preuve, par la Sécu, hein, par le régime général de sécurité sociale. Et alors, c'est comme ça que vont se développer la production publique de soins, notamment via les hôpitaux publics, mais aussi par la médecine libérale conventionnée. Quelque chose sur lequel j'essaie... Il me reste beaucoup de temps, non, je ne sais pas. 5 minutes, super, 5 minutes. Beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. Quelque chose sur lequel j'essaie d'insister dans le livre, alors peut-être que je ne le dis pas de façon suffisamment claire, c'est que 45, ce n'est pas un nirvana. Quand on dit en 45 avec le régime général, tout n'est pas fini. Au contraire, c'est la lutte tout de suite, la lutte sur le principe même du régime général, ça j'en parle beaucoup, parce que dès le début, il n'y a pas de consensus. Dès le début, il y a une grande opposition qui se joue dans plein d'endroits différents, notamment à l'Assemblée nationale. On va déjà se demander, mais attendez, vous rigolez quoi, on ne va pas faire la sécu, parce que nos entreprises elles sont en concurrence avec les Japonais qui mangent un bol de riz comme leurs ancêtres. Rappelez, c'était les Japonais à l'époque. Maintenant, on dirait peut-être les Chinois. Enfin, je veux dire, toujours le même cadre critique qui n'a absolument pas pris une ride. Donc l'opposition, elle est là tout de suite. Opposition sur le régime général, qui va faire l'objet d'une réappropriation par l'État, comme les mutuelles subversives. Les premières grandes réformes de la Sécu, ce n'est pas pour enlever des sous. Le problème de l'État, ce n'est pas les sous. Regardez, Macron, il nous en donne des sous, enfin, il nous en a donné plein de sous. Le problème principal de l'État, c'est le pouvoir. Le pouvoir sur l'organisation économique. Et la première chose qu'ils font, c'est des réformes pour reprendre le pouvoir sur le régime général, notamment par cette fameuse réforme de 1967 qui organise le paritarisme, mais aussi plus tard avec Juppé sur les réformes de l'organisation de la Sécu de 1995-96, où vont naître toutes les institutions qui aujourd'hui font frémir de peur toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. Ça, c'est du côté de la réappropriation. Mais ce qui se passe en 1945, et la raison pour laquelle ce n'est pas un nirvana aussi, c'est que l'État, il n'attend pas d'être néolibéral dans les années 80 pour limiter la sphère de la production publique. Dès 1945-46, sur tout un tas de sujets, l'État, à l'Assemblée, défend la production privée, la production capitaliste. D'abord, évidemment, par les mutuelles, c'est bien connu, mais aussi par les cliniques. En France, les cliniques, elles sont construites beaucoup plus facilement après la guerre. Les cliniques privées sont construites très facilement après. Laura est là, hein, c'est la grande spécialiste, elle pourra en parler après. Elles sont construites de façon très très simple après la guerre. Enfin, il suffit de déposer une autorisation et puis on l'a, parce que de toute façon, à l'Assemblée et dans les comités qui gèrent les demandes d'autorisation, il y a les copains médecins. Donc évidemment, aucun problème. Et les cliniques se développent sur le régime général socialisé. Donc, ce n'est pas un nirvana. Et il y a des limites qui sont mises. D'ailleurs, le développement de l'hôpital public, il ne commence pas du tout en 45, il commence un peu plus tard, dans les années 50. Et surtout, au retour de Gaulle, encore une fois, dans un contexte de guerre d'indépendance de l'Algérie, où
on va avoir donc le retour de De Gaulle, et comme par hasard, c'est à ce moment-là, 58, on crée les CHU, parce qu'on reprend le pouvoir, hein, dans un contexte de guerre où il faut assurer une stabilité politique. J'ai parlé des cliniques, mais on pourrait parler aussi de la pharmacie. Hein, et là, je me tourne vers Samira, qui est bien plus compétente. La pharmacie, où là aussi, il n'est jamais question ni de nationalisation ni de socialisation de la pharmacie. Au contraire, il est question d'en faire un secteur qui sera un secteur où il y aura un développement industriel fort pour être dans le jeu de la concurrence avec les autres pays. Tout ce détour, c'est parce que moi je me posais la question tout de suite, voilà. Tout ce détour pour dire qu'en fait, l'État social, ce n'est que l'approfondissement. L'État social d'aujourd'hui, c'est que l'approfondissement des caractéristiques qu'il a toujours eues. Il n'y a pas de nouveauté de la part de l'État social aujourd'hui à vouloir contrôler les gens qui travaillent pour lui dans le cadre de la production publique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le nouveau management public. Tout ça n'est absolument pas neuf. La défense du capital, ça aussi, c'est pas neuf, ça existe déjà. Hein, ce qui change, c'est surtout les moyens pour le faire. Et donc, on en arrive aujourd'hui où ce qu'on voit, c'est que plutôt qu'une opposition entre l'État et le marché, entre le capital et l'État, si on veut, en fait, il y a une alliance, et une alliance qui n'est pas neuve. C'est une alliance qui court sur tout le système, enfin, durant toute la construction du système de santé. Et c'est justement, non pas en gagnant des élections, mais en luttant contre l'État et le capital, qu'on a réussi à imposer autre chose. Et donc moi, je ne vois pas comment, ce sera peut-être ma conclusion, je ne vois pas comment on peut obtenir d'autres choses en demandant gentiment à l'État social, qui croit vraiment que quand on gagnera une élection, il se laissera faire. Ah ben merci Nicolas. Donc je vois que vous avez déjà engagé la discussion entre vous deux, mais on ne va pas limiter la discussion à un débat entre vous deux. Donc, vous aurez l'occasion de répondre les uns aux critiques et suggestions des autres. Mais on va quand même lancer d'abord un premier tour de questions. Et après, il y aura plusieurs tours de questions. Donc, Merdad et puis Alexis. Juste un rappel, Philippe. Pour ceux et celles qui sont à distance, nous avons laissé un lien sur le chat. Si vous souhaitez suivre les prochaines séances du séminaire, donc il faut nous indiquer nom, prénom et adresse mail. Bonjour, tu prends ceux qui sont à l'histoire, d'accord. Tu n'as pas besoin de faire ça, Merdad. Donc, entendu. Donc, Merdad et Alexis. J'ai écouté attentivement Rameau et je pense qu'il est un libéral et qu'il ne sait pas qu'il est libéral. Franchement. Et je vais me baser sur la partie théorique uniquement, avec quelques allusions aux réalités contemporaines. Il y a deux phrases qui sont révélatrices que tu es vraiment un libéral sans le connaître. Tu dis « l'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts privés et que le tout n'est pas réductible au parti. » Et ça, c'est la faute des libéraux et des marxistes qui pensent le contraire. Ok ? Clairement, j'ai noté mot à mot tes phrases, et cela veut dire que soit, je pense que ce n'est pas le cas, parce que ça qu'on apprend très vite, le théorème d'impossibilité d'Arrault dit exactement la même chose. Tu n'inventes rien. C'est-à-dire que là, on l'explique de façon formalisée en 1951, la thèse de doctorat de Kenneth Arrault, qui est la base de public choice. Public choice commence par là. Buchanan commence par là. C'est-à-dire que l'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts privés ou le tout n'est pas réductible au parti. Donc, à partir de là, il découle une thèse que l'État maximise l'intérêt public. Et c'est la thèse de Samuelson, Musgrave, et toute l'orthodoxie économique. L'orthodoxie économique est basée sur cette idée que l'État représente l'intérêt public. Et d'où vient ça? Il vient de la dictature sociale dont les bases sous-bassement théorique est fournie par le théorème d'impossibilité d'Arrault.
les quatre conditions qui ne peuvent pas être remplies toutes en même temps. Les deux conditions d'efficacité, pareto-optimalité, c'est-à-dire transitivité négative, pareto-optimalité ou efficacité, et deux autres représentées en fait le choix démocratique, c'est-à-dire le pouvoir discrétionnaire d'un individu n'est pas en fait soumis à l'intérêt général, et enfin la non en fait pertinence des choix, l'indépendance des choix non pertinents. Donc ces deux critères d'efficacité, ces deux critères d'équité font que si on veut formuler un intérêt général, il nous faut soit une dictature, soit comme John Rawls, de mettre en cause l'indépendance des choix en fait non pertinents, soit tout simplement réduire la taille de décision sur laquelle les décisions vont porter. Donc ça, c'était la base de choix public en économie. Donc ta découverte est exactement là où on commence en 1951. Tu peux répondre à une question. Est-ce que l'intérêt général existe selon toi? Regarde, pour moi, en tant que critique socialiste, tu peux même rajouter communiste, comme l'a dit à juste titre, c'est une idéologie qu'il faut le mettre dans une perspective de lutte entre les groupes d'intérêt. D'accord? Donc ça, c'est autre chose. Intérêt général au sens, et ce que tu viens de dire, tu as critiqué Stefano Palombarini. Pour toi, l'intérêt général n'a pas de consistance, on est d'accord. Regarde, il n'y a pas quelque chose qu'on puisse dire que l'intérêt, on peut définir un intérêt général à partir des intérêts individuels. Pourquoi? Parce que la transitivité du choix qu'on peut respecter dans le choix individuel sera transgressée forcément lorsqu'on veut définir un intérêt public. D'où vient la règle d'impossibilité d'Arrow? Et à partir de la règle d'impossibilité d'Arrow, qu'est-ce qui découle? L'existence d'une dictature bienveillante. Et c'est ça qu'on rabâche tout le temps en économie. On rabâche depuis Musgrave, depuis Williamson, qu'est-ce que c'est l'État? L'État est le maximisateur d'intérêt public. Donc ça, c'est une découverte en économie. Heureusement que l'intérêt public, c'est une idéologie pour promouvoir les intérêts privés. Le Covid-19 le montre. Voilà, toutes les choses autres aussi le montrent. Et d'où la théorie de la capture. Le libéralisme est justement ça. Buchanan, il y a rare chez les public choice qui pensent à une société sans État. Là, Buchanan, comme Tolak, il pense que c'est un mal incontournable. Mal incontournable. Pourquoi? Justement pour l'idée que tu viens de dire. L'intérêt général n'est pas réductible au jeu des intérêts privés. La chose qui est la positive pour moi, vraiment chez toi, c'est que tu vois à juste titre que ce qu'on appelle le néolibéralisme n'est pas aussi répandu. C'est James Galbraith, 2009, dans son bouquin « Private State », qu'il a dit. Pendant l'administration de Bush, que plus de 50% de PIB américain, c'est étatique. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le néolibéralisme est né de l'État social. Regardez toute l'analyse de Michael Mann, quatrième volume de son ouvrage. Comment toutes les institutions de ce qu'on appelle néolibéralisme sont nées à travers l'évolution de l'État, le système de finances, pendant la période de l'État-providence. Et je te félicite pour avoir souligné ce fait qu'il n'y a pas vraiment une distinction entre le néolibéralisme et l'état social et le néolibéralisme, il se complète. Bien, merci Merda. Donc là, il y a matière à débat. On va écouter la question d'Alexis, puis après tu répondras, et Nicolas aussi. La première question sera pour Nicolas, et c'est en termes de contenu de l'ouvrage. Tu évoques à partir de 1947 l'idée que la sécurité sociale est dirigée complètement par les assurés. J'imagine que tu fais référence aux élections récurrentes qu'il y a eu dans les caisses, pour la direction des caisses, mais est-ce que tu as trouvé des informations sur le pilotage concret des caisses de sécu? Est-ce que, alors à ma connaissance, il n'y en a pas vraiment. Bon, ça, en tout cas, moi, je ne les connais pas.
Est-ce qu'il y a des travaux ou est-ce qu'il y a des données sur comment ça se passait concrètement dans les caisses locales, dans les CCF? Est-ce qu'ils avaient, comment dire, un poids sur le niveau des cotisations, sur les besoins auxquels ils pouvaient répondre? Est-ce qu'il y avait un degré de liberté important ou pas? Est-ce que tu peux en parler? Si tu n'as pas, est-ce que tu as des pistes pour analyser cette question-là qui me semblerait quand même compléter un peu le travail, le compléter précisément, et peut-être aller dans le sens de la thèse de la sociale, de la thèse de l'État social. Et après, pour M. Rameau, alors je ne sais pas si je vais essayer de faire très très court, mais moi je pense que c'est... Alors, je ne suis pas loin d'être aussi compétent que Merdal sur ces questions-là, mais j'ai aussi cette problématique, moi, de vous poser des critiques à Nicolas Da Silva, que je trouve, alors ça tient peut-être au format de l'argumentaire qui est assez court, mais assez problématique dans le sens où chez vous, à aucun moment, en tout cas dans votre propos, n'est défini ce que vous entendez par État et ce que vous entendez par intérêt général. D'autant que vous, c'est mon interprétation, donc peut-être qu'elle est erronée aussi, hein, vous mobilisez la notion d'intérêt général en disant qu'elle n'a pas de contenu propre, ce que vous avez répété, et par après, vous mobilisez Bourdieu pour dire que finalement, la noblesse d'État peut prendre position, justifie sa position par l'intérêt général, et que mécaniquement, elle irait dans le sens de cet intérêt général, contre son gré presque. Mais oui, si l'intérêt général, c'est celui que vous décrivez des libéraux, c'est-à-dire un optimal par ratio, entre guillemets, de fait, elle va dans son intérêt, puisque c'est celui qu'elle a défini. Soit c'est moi qui, soit c'est une incompréhension de ma part, soit il y a un raisonnement pour moi circulaire, complètement circulaire, qui, à mon avis, n'a pas de sens, si ce n'est que de dire que les dominants agissent dans leurs intérêts propres, ce qui est tout à fait cohérent, dans leur intérêt général, celui qu'elles considèrent comme étant l'intérêt général. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire, mais peut-être qu'elle amènera une réponse plus claire, je l'espère. Au doigt pour que les intervenants puissent. C'est juste un message. Je vais demander de tout de suite intervenir s'il y a le temps. On va d'abord, il y a un débat extrêmement important sur l'intérêt général et puis il y a une question pour Nicolas. Donc on va laisser Christophe donner son point de vue sur cette question-là. Ouais. Comment dire, si on n'est pas libéral ou si on n'est pas libertaire, on considère que la société, elle a une consistance propre. Donc il y a des individus, il y a des groupes sociaux, des classes sociales, ça. Mais il y a quelque chose pour, fonder société, ce n'est pas qu'un agrégat. Voilà. Pendant longtemps, on a vécu dans ce qu'on appelait les sociétés de religion. D'accord ? Donc, le ciment, il était donné par le pouvoir religieux, le clergé, etc. Enfin, ouais, progressivement, le pouvoir royal s'est émancipé de ce pouvoir religieux. L'État moderne, quelque part, il remonte à avant la démocratie. Avant la démocratie au sens fort de suffrage universel. Et puis ensuite, il y a une troisième étape, si je puis dire, troisième grande étape, qui est la proclamation du suffrage universel avec tout son caractère laborieux. Enfin, première proclamation d'ailleurs aux États-Unis. D'abord proclamer le suffrage universel. Pas pour les hommes, pas pour les femmes, pardon, pas pour les esclaves, pas pour les noirs, etc. Donc, il y a plein de mythes. Enfin, après, les femmes et les noirs vont pouvoir dire, mais nous aussi. Et moi, ce que je dis maintenant, c'est que dès lors que la principale révolution de ce point de vue-là, c'est la révolution du suffrage universel, qui aboutit au fait que l'État est traversé, bien entendu, de rapports de force sociaux. D'accord ? C'est pas un monstre froid, l'État. Donc, il y a des intérêts en jeu. Les intérêts, des classes sociales, etc. Il y a une partie de l'État aujourd'hui, on est d'accord, hein, j'en ai pas parlé parce que j'imaginais que pour vous, ça allait de soi, y compris dans ce que je conçois. Il y a une partie de l'État qui est au service du capital aujourd'hui, bien sûr, il n'y a pas photo là. Ce que je soutiens néanmoins, c'est qu'il y a une partie de l'État aujourd'hui qui n'est pas au service du capital. Il y a une partie entière de l'État qui n'a pas simplement une dimension antilibérale, il a une dimension anticapitaliste. Parler un langage commun entre nous.
Il y a des sphères entières d'activités qui échappent au capital. D'accord ? Comment le penser ? C'est ça la question qui se pose. Comment penser ces sphères entières d'activités qui échappent au capital ? Je pense que de mon point de vue, il faut relier ça justement à la révolution du suffrage universel. On peut dire les choses autrement. De mon point de vue, le principal point d'appui pour remettre en cause le pouvoir du capital, c'est le suffrage universel. Le pouvoir du capital, c'est quelqu'un qui possède 1 milliard d'actions vaut 1 milliard de fois plus que quelqu'un qui possède une action, c'est légitime. Eh bien, le suffrage universel, il proclame un principe de puissance 1. Donc, le levier principal pour remettre en cause la domination du capital, c'est le suffrage universel. Et au cœur de la légitimation de l'État social et de la République entendue au sens fort, donc pas simplement le libéral, il y a la notion d'intérêt général. Et désolé, mais pour penser l'intérêt général, moi, je ne pars pas de la théorie néoclassique. Je suis désolé, ce n'est pas mon point de départ. D'accord ? Donc, je ne pense pas à l'intérêt général. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt général ? Ça en saisit ça. Mais oui, mais vous savez quoi ? Discutez avec des juristes de droit public. Ils vont vous dire l'intérêt général, c'est au cœur du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit public. C'est au cœur. Mais il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition précise, bien entendu. Bien entendu. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de définition précise que ça n'existe pas. Allez dire ça à un juriste de droit public. Il va vous dire, mais vous êtes complètement frappé. Vous voulez réduire le droit au droit privé ? Vous êtes complètement dingue ou quoi ? Donc, l'intérêt général, fondamentalement, il est donné par quoi ? Ben, il est donné par le contenu de la loi. Et d'ailleurs, dans tous les pays du monde, avec des petites variantes en termes de sémantique, la loi est prise au nom de l'intérêt général. D'accord ? Voilà. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. En France, et on retrouve ça ailleurs, avec des petites variantes sur lesquelles on n'a pas le temps. Je n'ai pas le temps de rentrer. D'accord ? Qui renvoie notamment... Voilà. Et donc, voilà. Comment dire ? Quand j'entends dire aujourd'hui l'intérêt général n'a pas de consistance propre, parce que vous ramenez tout aux comment dire, je dirais, il y a une partie de la gauche et de la critique qui manque de surmoi, si je peux me permettre. C'est-à-dire le fait qu'on a besoin d'avoir quelque chose au-dessus de soi. Non mais je ne dis pas ça pour c'est pas personnellement, je vous connais, c'est pas le problème. Je dis ça sur le fond. D'accord ? Reprenons les problèmes à la racine. Tu dis, à un moment donné, la conclusion fait 3 pages, pas. Mais tu dis à un moment donné, c'est pas fait. Je l'ai imprimé sur une page, pour ça, je ne l'ai pas eu. Mais tu dis à un moment donné, il faut que ce soit les individus qui décident. Il faut que ce soit les travailleurs associés qui... Mais moi, j'ai envie de te poser des questions très concrètes. Ah bah bon, dans ton ouvrage, tu dis, tu opposes la sécurité sociale gérée par les travailleurs, très bien, et puis la sécurité sociale reprise en main par l'État social, très bien. Mais dans ton ouvrage, je te surprends à faire l'éloge de l'hôpital public. L'hôpital public contre les cliniques privées, etc. Et on sera d'accord là-dessus. Mais l'hôpital public, c'est l'hôpital qui est pris en charge par l'État. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager un hôpital, un système de soins autogéré ? Parce que tu fais l'éloge de l'autogestion. D'accord ? Mais là, il faut être concret. Un hôpital, c'est quelque chose de très complexe. On peut, moi je suis pour, bien entendu, compléter la démocratie représentative qui ensuite permet d'avoir des pilotes aux mains de l'État. D'accord ? Je suis pour compléter ça par des formes de... Je suis pour que la société respire. Donc, je pense que c'est utile de compléter ça par des formes de démocratie participative, des comités de citoyens, etc. Mais je vous assure que ce n'est pas les comités de malades qui vont gérer l'hôpital. Ils n'en ont pas les compétences. Et tu veux que je te dise ? Ils n'en ont pas envie. J'ai très bien connu Anne Lostrat qui a municipalisé les eaux de Paris, qui était une écolo à fond pour la démocratie participative, etc. Quand elle a municipalisé les eaux de Paris... Elle a dit « Ouais, je vais faire les comités d'usagers. » Mais elle a buté sur un problème. Quand l'eau du robinet coule bien, vous avez envie de passer vos soirées bénévolement, à passer vos soirées à étudier les égouts et les canalisations ? Personne n'y allait. D'accord ? Sauf quelques zigotos qui étaient passionnés du sujet, mais qui représentaient qu'eux-mêmes. Donc, l'eau, si vous voulez, il faut faire le bilan de cette autre faillite qui était à la mode dans les années 70, qui est celle de l'autogestion. Ça tombe bien, j'ai commencé à militer par là, donc je connais bien l'affaire, hein.
D'accord ? Mes premiers gros engagements, c'était pour les comités communistes pour l'autogestion. Il y avait tout, vous voyez ce que je veux dire ? D'accord ? Mais bon, ben, aujourd'hui, vous avez bien compris que le capitalisme est beaucoup plus développé que quand Marx écrit. Il n'y a pas de poussée autogestionnaire dans les entreprises. D'accord ? Contrairement à ce que espérait Marx. Enfin, il ne parlait pas du mot autogestion, il n'était pas utilisé dans ce sens-là à l'époque. D'accord ? Mais l'idée qu'il va y avoir une poussée des travailleurs associés qui veulent reprendre en main la gestion des entreprises et puis toute la... Mais non, ça n'existe pas. Il y a des scopes qui existent, hein, ça fait 50 000 salariés. D'accord ? C'est une infime part, y compris dans l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, il faut... Et je pense que le bon moyen pour partir de pour comprendre ça, c'est de comprendre que justement, le problème de l'autogestion du projet socialiste dans son noyau initial, dans ce volet-là, parce qu'il y a tout le volet justice sociale que je défends, la lutte des classes, je considère que ça existe, etc. C'est pas ça le problème. Mais l'idée qu'à un moment donné, on allait se passer de la question du pouvoir, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Hein, quand tu dis les individus peuvent décider, mais non, je suis désolé, Nicolas. Les individus ne vont pas décider s'ils payent leur cotise ou pas. D'accord ? Non. À un moment donné, ils peuvent peser comme électeurs, mais à un moment donné, il y a la loi, et ce n'est plus les individus qui décident. Ça s'impose aux individus. D'accord ? Les individus ne font pas ce qu'ils veulent. Parce que là, sinon, on bascule dans le côté libéral-libertaire à fond. Hein ? Et donc, c'est dans ce sens-là, c'est ça qui donne la consistance à l'intérêt général. C'est l'idée qu'il y a des lois qui s'imposent à tous. À un moment donné, alors la question qui se pose, c'est quel est le contenu de la loi ? Et donc là, il y a bien entendu une bataille politique à mener entre les courants réactionnaires, etc., et puis les courants progressistes. Bien sûr qu'il y a une bataille à mener, mais c'est la bataille centrale à mener. Quel est le contenu de la loi que se donne la société pour fonctionner ? C'est ça, la bataille centrale. Et ça passe, de mon point de vue, par les élections, bien entendu. Mais c'est pareil pour toi, d'ailleurs. Tu fais l'éloge, tu l'as dit toi. 45, 46, c'était génial. Mais oui, mais la question t'a été posée, donc je te laisse en sous-traitement. Mais en 45, 46... Il y avait des élections. Il a fallu élire des représentants aux caisses locales, comme tu l'évoques toi-même, mais c'est passionnant ce que tu dis. J'ai appris plein de petits des trucs, pas plein de petits trucs, plein de trucs très intéressants. D'accord ? Mais voilà, mais il y a le problème du corpus théorique, à mon avis, bon voilà, mais il y a eu des élections à ce moment-là. Et c'est normal, hein, parce que les travailleurs ne peuvent pas comme ça. Ben, il faut élire des représentants, voilà, pour pouvoir gérer ces caisses. Donc il y a bien le problème de l'élection qui se pose. Si j'ai répondu à votre question, oui. Je vais répondre d'abord à Alexis. Sur la première question qui est celle du pilotage concret de ces caisses, finalement, moi j'ai trouvé très peu de choses, mais peut-être aussi parce que je sais pas bien chercher parmi ce que font les historiens. Évidemment, il y a Vala qui en parle beaucoup, et notamment quelque chose dont je n'ai pas du tout parlé, qui est, j'essaie de le dire un petit peu dans le livre, une des expressions de cette auto-organisation, c'est la FNOS, qui est la Fédération nationale des organisations de sécurité sociale, qui est en fait une fédération des caisses primaires, parce que l'échelon important, c'est la caisse primaire dans la sécu, dans le régime général de 40. Donc il en parle un peu, et j'ai vu qu'il y avait quelques articles qui en parlaient un peu, mais en fait finalement, moi, j'ai trouvé assez peu de choses, mais je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que si on trouvait, c'était bien, et si on ne trouvait pas, c'était bien. C'est des gens qui sachent mieux que moi fassent. Et donc, j'imagine qu'il y a tout un tas de travail d'archives à faire, ou s'il est déjà fait, je m'excuse de ne pas le connaître. Sur la question du niveau d'autonomie, ça, c'est quelque chose de très important. J'ai déjà dit, en fait, 46, ce n'est pas un nirvana. 46, je le replace dans une trajectoire. Et cette trajectoire, c'est la trajectoire de la prise de pouvoir sur les institutions du soin. Il est évident que la prise de pouvoir est incomplète. Elle est incomplète sur plein de points, puisque l'État est encore là et très puissant. Elle est impuissante d'abord sur le fait de décider du montant de la cotisation, ce n'est pas les caisses qui décident. Sur le niveau des prestations, pour la plupart des prestations, ce n'est pas les caisses qui décident, sauf pour, par exemple, la négociation des tarifs en médecine libérale. Et encore, on pourrait... Bon, mais il y a notamment toute une autonomie qui est développée sur quelque chose qui est très important, c'est le fait de donner les prestations, puisqu'on sait bien que ce n'est pas parce qu'on a un droit qu'on va nous le donner. Je sais pas, à la fac, par exemple, vous savez tous, on a tous plein de droits, mais quand il s'agit d'aller les chercher, ça ne marche pas. Ben, ça serait différent, par exemple, pour les doctorants, d'aller chercher leurs droits si c'était... S'ils étaient représentés dans les structures de pouvoir de l'université plus que dans l'organisation actuelle de l'université. Donc, ce qui se passe dans ces caisses,
c'est d'abord donc, le pouvoir sur l'organisation de la distribution des prestations. C'est aussi un autre pouvoir qui est très important, c'est qu'une partie de l'argent qui est récolté, il peut être utilisé de manière complètement autonome. Alors c'est peu, mais c'est une partie, et c'est beaucoup plus qu'avant. Et donc c'est pour ça que je parle de trajectoire, et que cette trajectoire, à mon avis, c'est cette trajectoire-là qu'il faut développer, et qui a été arrêtée justement par tout le contre-pouvoir dès le début de l'État, qui dit non, moi je veux diriger parce que j'ai des experts qui savent, et de toute façon vous rendez bien compte que les prolos ils s'en foutent. Hein. Parce que de toute façon, ce qui les intéresse, c'est d'aller bosser, de rentrer chez eux. Et... Non. Donc, ça c'est sur la question d'Alexis. Ensuite, peut-être deux choses sur ce que tu as dit, Christophe. Hein. D'abord, tu dis hôpitaux publics. Mais c'est que c'est bien. Tu défends l'État. Encore une fois, moi, je conteste le fait qu'on puisse assimiler public et étatique. Et je conteste le fait qu'on puisse assimiler la loi et l'étatique. Pour moi, l'État, alors oui, je suis désolé, je ne suis pas assez fort pour en donner une définition, mais l'État, d'un point de vue historique, je vois ce que c'est. Je vois des gouvernements, je vois des assemblées, je vois des armées, je vois une police. D'ailleurs, si tu disais tout à l'heure, ça m'y fait penser, tu avais une remarque sur Rosette, la police est là, je te conseille, alors c'est un peu corporatiste, hein, mais je te conseille le bouquin dans la même édition de Paul Roger sur « Que fait la police ?». En fait, on se rend compte que l'activité réelle de la police, ce n'est pas du tout de courir derrière les voyous, hein, même aujourd'hui. Hein. Bon, sur cette question-là, moi, je conteste le fait que l'hôpital public, c'est un hôpital étatique. Ce qui compte, c'est la structure de pouvoir qui est dedans. De la même façon, moi, je ne pense pas que l'université, je parle d'université puisqu'on est tous universitaires, l'université, ce n'est pas complètement étatique. En fait, la structure de pouvoir, elle n'est pas complètement descendante. Elle l'est beaucoup trop, mais elle ne l'est pas complètement. Il y a des élections. Moi, je ne suis pas contre l'élection. Qui t'a dit que j'étais contre l'élection? Mon opposition. Tu opposes démocratie représentative et vraie démocratie. Non, pas du tout. Démocratie représentative. Pas du tout. J'oppose de façon, je te le concède, naïve, parce que je n'ai pas suffisamment travaillé sur la question, ce qui s'opposait sur les bancs de l'Assemblée à la Révolution, démocratie et représentation. Non, mais là, tu prends CIS, c'est la seule citation que tu sais. D'accord. Ok, mais par exemple, Bernard Manin. Bernard Manin, ce n'est pas le plus radical pour penser à la démocratie. Et justement, même lui qui n'est pas un radical, il t'explique que voilà, le gouvernement représentatif, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le pouvoir aux intéressés. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que dès la fin de la Révolution, tout l'enjeu, c'est justement de contester ces acquis. L'Empire, qu'est-ce qu'il fait? Là où il y avait des gens qui étaient élus dans les postes publics et donc redevables vis-à-vis des citoyens qui les avaient élus, parce que je ne conteste pas l'élection, eh bien, il en fait des fonctionnaires nommés. Hein, c'est ça le mouvement. Il met des préfets, il met des fonctionnaires qui n'ont de compte à rendre à personne. Est-ce que tu es pour que les fonctionnaires soient élus? C'était ce que proposaient les révolutionnaires en 1789. Non, mais attention, parce que ça veut dire qu'on remet en cause l'emploi à vie. Hein. Je ne vois pas du tout le rapport entre remise en cause de l'emploi à vie et... À l'époque de la Révolution française, non, mais c'est une vraie question. Parce que c'est une Au moment de la Révolution française, il faut se prononcer pour la révocation des fonctionnaires. La révocation de mon point de vue, c'est une question qui mérite. Non, mais... C'est une question intéressante, oui, parce que moi, je suis pour que... On pourrait tout à fait les révoquer de leur poste sans les révoquer de leur salaire, de leur qualification. Enfin, il n'y a pas de lien qu'on est obligé de mettre de façon nécessaire. Au contraire, je trouve que certains collègues, ce serait bien s'ils pouvaient garder leur salaire et puis être devant des étudiants. Mais bon, ça après. Donc, il n'y a pas de lien direct. Ça, c'est sur l'hôpital public versus étatique et sur la dimension démocratie versus représentation. Je pense que c'est très important. Et c'est très important aujourd'hui parce qu'on le voit concrètement. Encore une fois, je suis désolé, peut-être que je ne suis pas assez fort d'un point de vue théorique. Mais concrètement, aujourd'hui, les acteurs du service public, les acteurs de l'État social, leur première revendication, c'est contre l'État social. Pourquoi? Parce que l'organisation et la structure de pouvoir dans l'État social les empêchent de travailler. Tout nouveau management public, c'est ça. Et il est nouveau simplement parce que l'État devient employeur. Et donc, comme il devient employeur, il cherche à avoir le pouvoir sur ses employés. Hein, et donc, ce qu'il y a de nouveau, ce n'est pas tant le fait que le management public a changé, ce qu'il y a de nouveau, c'est que comme il y a une massification de l'emploi public, il faut bien que l'État ait la main sur ses employés. Parce que, par exemple, pour prendre le cas de la santé, j'essaie de donner un cas que je connais. Dans le cas de la santé, les médecins, ils n'ont pas besoin d'être fonctionnaires à la fin de la Révolution ou sous l'Empire. Pourquoi? Parce que, en fait, les médecins, c'est des gens qui sont pour
la société propriétaire de Napoléon. Donc, on n'a pas besoin de les payer pour faire ceci ou cela. Eux, ils sont pour la moralisation des ouvriers. Okay. C'est à partir du moment où il y a une massification des gens qui travaillent pour l'État, ou disons qui travaillent financés par l'État, que bah, pour lui, il devient nécessaire que quand même des gens critiques comme Christophe Rameau, il n'en faut pas trop. Et donc, c'est pour ça que du coup, forcément, on va mettre en place tout un tas de systèmes, par exemple, dans l'université, pour faire du financement par projet, pour t'obliger à passer ta vie dans l'évaluation et plutôt que dans la recherche, etc. etc. Donc, les premiers qui veulent se débarrasser de la tutelle étatique, c'est les gens qui travaillent pour l'État. Et ils ne veulent pas se débarrasser du fait de travailler et de fournir des services publics. Au contraire, ça, on veut le faire. Donc, il n'y a pas du tout d'opposition. Et par contre, la question implicite qui était dans ma présentation, qui n'a pas répondu, hein, toi, tu dis tout le temps, oui, il faut élire les gens, etc. etc. Sauf que moi, c'est ma faiblesse. Théoriquement, je n'ai pas de problème. Mais j'ai essayé de montrer comment, historiquement, à aucun moment, c'est par l'élection que l'État social ne naît. Et je t'ai ramené quelqu'un pour... Enfin, je t'ai ramené deux personnes pour m'aider à essayer de te convaincre de ça. De collègues, on ne pourra pas dire que ce sont... enfin, je veux dire... Alors, je commence par le plus radical ou par le plus modéré? Le plus radical. Le plus radical. Ben, le plus radical, tu en as parlé tout à l'heure. Et en fait, il pose le cadre pour imposer au capitalisme des constructions institutionnelles qui le contredisent sérieusement, tout en le laissant préserver quand même. Il a fallu une énergie de l'ordre de grandeur guerre mondiale. Ça, c'est l'ordre. Et il te dit, quoi, et c'est quelque chose, enfin, c'est finalement, c'est assez banal. Et pour connaître l'après 45, il a fallu guerre mondiale. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Le début de l'histoire, le début de la période, c'est pas 45, le début de la période, c'est 39. Enfin, 39 en France. Hein. Là, c'est le premier. Et le deuxième, donc tout ça, évidemment, bon, après les élections, tout ça. Il faut réussir à montrer c'est quoi le rapport avec l'élection, le parlementarisme, etc. etc. Et le second, il est un peu moins radical, mais pour certains, c'est un affreux socialiste, hein, bien sûr. C'est Thomas Piketty. Et là, je le cite. J'adore cette citation. Le paradoxe, c'est que les institutions social-démocrates ne sont pas le produit de du socialisme démocratique et électoral. Les institutions social-démocrates ne sont pas arrivées simplement parce que le suffrage universel aurait conduit les électeurs à voter pour les sociodémocrates. Et tout cela se serait passé de façon apaisée. Ça ne s'est pas passé comme ça. Cela a pris la place dans la fureur des guerres, des rapports de force, des crises, de la pression communiste. Et donc, ce truc-là, qui est l'État social qui naît après-guerre, en fait, il va être dans les mains, globalement, d'une noblesse d'État, de sociodémocrates, on les appelle comme on veut. Mais en fait, c'est pas sous leur poids, dans la dynamique institutionnelle, c'est pas eux qui ont fait l'État social. Ce qui a fait l'État social, c'est l'État. Ce que je comprends pas, que la guerre, ça il n'y a aucun problème, que la guerre se soit traduite compte tenu de ce que tu as dit, que ce soit traduit par des étapes importantes dans la socialisation de l'économie, ben ça, il n'y a aucun problème pour dire ça. Là où je ne te suis pas, c'est au nom du fait que la guerre, parce qu'y compris, ben, on a demandé au peuple de se mobiliser, de prendre des gages, si je peux le faire, voilà, c'est un peu ça l'idée, d'accord, bon, très bien, bon, ça c'est bien bas, on est d'accord là-dessus, il n'y a pas aucun problème, d'accord. Ok, par contre, après, où tu vas en venir? Ce que je veux en venir, c'est que jamais par une élection, on a réussi. C'est pas ça, mes questions. Non, bah, je sais pas, parce que toi. Sérieusement, jamais par une élection. Tu te rends compte du propos? T'es au chaud, là. D'accord. Au chaud. Tu sais que les résistants pendant le nazisme, d'accord? Et tu oublies, enfin, passons sur les années. Tu oublies, tu as demandé que si le PC avait été. Enfin, il n'y avait pas de Ribbentrop Molotov, à un moment donné, qui fait que le PC, d'un point de vue historique, a été à un moment donné pourchassé en partie de bonnes raisons. D'accord ? Oui, mais le rapport avec les soignants, donc je reviens. Donc les résistants, ils se battaient contre le nazisme, contre le fascisme et pour la démocratie. Pour la démocratie, pour la possibilité qu'il y ait des élections. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire pour eux, ils ressentaient que c'était quelque chose d'important. Tu vois ? Il ne faut pas trahir cette histoire. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire bien comprendre que le suffrage universel, la bataille pour le suffrage universel, là on est confortablement installé en France, il n'y a pas de problème, mais va dire ça aux Iraniens, aux Russes et je ne sais qui. Ça passe pas, ce discours-là. Hein. Donc, les lois, ça se fait par des lois. Parce qu'on termine là-dessus sur un truc plus concret. Tout ce que tu évoques, ça passe par des lois. La cotisation obligatoire, ça passe par des lois. Tu distingues loi et État. Je ne comprends pas. Alors, si, je peux comprendre. Une association peut, elle a en quelque sorte ses lois.
elle a en quelque sorte ses règles, d'accord ? Une association a ses règles, elle peut exclure des gens, intégrer des gens, très bien. Mais quand on parle de cotisation obligatoire, c'est pas une règle d'association, c'est pas une règle de mutuelle, c'est une règle posée par l'État, d'accord ? L'État, le gouvernement, d'accord ? La loi, voilà. Et pour qu'il y ait cotisation obligatoire, il faut qu'il y ait cette loi qui soit portée par l'État. D'accord ? Alors, ça peut être au préalable négocié par les partenaires sociaux. Bien sûr qu'il y a des groupes sociaux, il y a des individus, il y a du conflit social, je ne le nie pas. Mais je dis qu'à un moment donné, il y a transmutation, si je puis dire. D'accord ? Et c'est important. Par exemple, historiquement, on sait tous que la loi de 1898 sur les actions du travail a joué un rôle très important dans l'émergence de la protection sociale. Très bien. Mais attention à ne pas tout ramener à la généalogie à chaque fois. Hein, parce que les actions du travail, aujourd'hui, ça ne représente que 2% des dépenses de protection sociale. D'accord ? Chez certains, c'est généralement à travers chez les sociologues, pas mal de sociologues, on a tendance, pour expliquer une institution, à revenir à sa genèse et aux conflits sociaux qui ont donné naissance. C'est très intéressant, ces conflits sociaux. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que les conflits sociaux, bien entendu, y compris à travers l'expression du suffrage universel, parce que c'est quand même au Parlement qu'on vote des lois et compagnie, c'est au Parlement qu'on a voté, même si c'était les ordonnances, tu vois ce que je veux dire, les ordonnances de 45 et compagnie. Donc on n'a pas voté. Non, mais enfin, sérieux, un peu de sérieux, c'est bien le gouvernement qui prend la main. Écoute, arrête, il y a bien des... Christophe. Non, mais après, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que la loi produit ses propres effets. Les institutions produisent leurs propres effets. Tu vois, bien sûr qu'il y a des acteurs, mais ça produit ses propres effets. Mais du coup, si on n'est pas libéral. Juste en une phrase. Et moi, dire que la loi et que les institutions produisent leurs propres effets, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai dit au début, je disais oui, l'État social produit tous les effets que tu dis. Sauf qu'en fait, pour arriver à créer quelque chose de l'ordre de l'État social, il a fallu tout un tas de choses qui ne sont pas dans ce que tu dis. Vous allez reprendre la parole, mais ce serait bien quand même que d'autres participent. Donc, on va brancher quelqu'un en vidéo. Pendant que eux sont débranchés un peu, on va essayer de brancher quelqu'un. Il y a Malo, c'est Samira. Donc, on commence avec... Et Laurent. Merci, Luna. Vous devez activer votre micro de votre côté après. Allez-y. Je peux y aller, oui. Oui, parfait. Alors, merci beaucoup de me permettre d'intervenir dans ce séminaire. Je dois commencer en disant que j'ai aimé le travail de Nicolas da Silva parce qu'il part d'une préoccupation actuelle et qu'il essaye en même temps de la rendre dans un contexte de longue durée. Et puis, il se concentre sur un sujet, et c'est, je pense, une bonne manière de travailler, le sujet de la sécurité sociale. Alors, il a eu la disposition de remonter jusqu'à la période révolutionnaire, et je pense que c'est très important, effectivement, parce que dans cette période, il y a une transformation importante du rôle de l'État. Et je voudrais effectivement rappeler que à l'époque de l'Ancien Régime, c'est l'Église qui s'occupe principalement de la charité, de l'assistance aux mendiants, de la prise en charge des malades, de ce qu'on appelle les crises de subsistance. Bien sûr, elle s'occupe de la croyance, elle s'occupe du culte, mais elle s'occupe également de ce type de fonction, et c'est ce qu'on appelle la fonction sociale de l'Église. Alors, le problème, c'est que durant la Révolution, l'Église catholique est frappée d'une manière terrible. Elle va se redresser, bien sûr, par la suite, mais la Révolution, rien de moins, financera la guerre révolutionnaire et sa défense grâce aux biens de l'Église et d'autres groupes, d'autres corporations, d'autres corps, comme on les appelait, d'autres ordres, comme on les appelait à l'époque, et puisque les biens de l'Église vont être confisqués et ils deviendront des biens nationaux qui vont être vendus pour financer ces dépenses. Alors, l'État nouveau
l'État révolutionnaire et puis les différentes suites. C'est une organisation qui ne va pas assumer les tâches qui étaient antérieurement dévolues à l'Église catholique. Cela ne fera pas partie de son rôle. Il n'y aura pas, de ce point de vue-là, un intérêt général pour cet État-là. Ça sera surtout, et tel que l'a rappelé Nicolas da Silva, la solidarité, le mutualisme, l'entraide qui donneront le point de départ de l'assistance sociale au sein des ouvriers et aussi des paysans, il faut le rappeler. Alors, je coïncide avec le point de vue de Nicolas da Silva dans le sens que c'est subversif. Pourquoi c'est subversif ? Parce que cela vient encore de la société, de chez les travailleurs, pour pallier à une défaillance des classes dominantes de l'État. Et ce sont ce type de d'évolution qui constituent des embryons qui annoncent la mise en cause de l'État. Parce que à partir du moment où la société intervient, est obligée d'intervenir et que l'État ne remplit pas les fonctions que hypothétiquement il devrait accomplir, eh bien c'est quand même quelque chose de très particulier. Nous sommes au 19e siècle et il faut ensuite effectivement enregistrer que d'une manière lente, peu à peu, cet État et les groupes qui vont le contrôler comprennent peu à peu qu'il faut prendre cela en main et que effectivement il faut assumer cette tâche, cet intérêt général qui n'était pas au point de départ quelque chose de naturel. Merci beaucoup. Merci. Donc on va prendre d'autres questions et puis vous répondrez ensuite globalement. Donc on avait dit Malo. Oui, je peux commencer. Déjà merci pour vos présentations et bon, en fait l'intervention précédente est intéressante parce que je pense que bon, elle permet de sortir un peu dans une incompatibilité d'apparence qui s'est un peu amplifiée. Je pense qu'il y a une certaine je lâche le mot peut-être un peu fort, avec ça on dirait un peu une caricature de position de l'un et de l'autre. Et, bon, en fait pour moi l'enjeu de la discussion entre les deux ouvrages, il se trouve peut-être plus finalement dans les points de digression que voilà, vous avez pu faire les uns et les autres. On dit oui, non, mais ça, on est d'accord, etc. Mais oui, mais en fait, c'est sur ces points-là, je pense, où il y a les choses les plus intéressantes. Et peut-être que moi, ce que j'ai noté, et j'aimerais avoir votre avis, hein, c'est peut-être si on sort un peu d'une vision très abstraite et un peu réductionniste de l'action publique de demain ou de l'évolution de l'État ou de comment les choses évoluent dans le monde social, des grandes idées, à savoir s'il faut un modèle plutôt de démocratie représentative plutôt qu'un autre. C'est là où on voit en fait tout l'intérêt d'avoir ce genre de débat et la dimension très empirique de vos propos, et en particulier ce que Nicolas a pu présenter. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça montre qu'au-delà de l'idée qu'on est dans une sorte de démocratie parfaite, évidente, qui va de soi avec un intérêt général qui est facile à identifier, etc., en réalité, la dynamique sociale, elle est en prise avec une multitude d'acteurs, et même l'État n'est pas un ensemble unifié. Je pense qu'il ne faut pas avoir une définition unique de l'État. Alors, vous le concédez tous les deux, mais finalement, vous le concédez des fois, peut-être des fois un peu rapidement, en disant oui, on n'a pas de définition, etc., mais à la limite, peu importe la définition. Ce qui est intéressant, c'est de savoir où sont les points d'achoppement qui peuvent exister. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. On voit bien que déjà, la démocratie représentative n'est qu'un... n'est qu'un état d'équilibre qui est lié à des rapports de force et de pouvoir. C'est-à-dire que d'autres formes de démocratie, au début, ont pu être discutées. N'oublions pas que le tirage au sort a été discuté dès les débuts, etc. Non, mais je ne dis pas qu'il faudrait ça aujourd'hui, mais c'est juste pour dire qu'il est essentiel de déconstruire les évidences selon lesquelles, évidemment, que l'intérêt général est représenté par un état représentatif. Bon, bah, c'est un état de fait aujourd'hui, mais qui est un état de fait qui est lié à un rapport de pouvoir où certaines classes privilégient ça par rapport à d'autres. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans l'autre caricature en disant que tous les pouvoirs sont aux mains d'une classe bourgeoise ou d'une classe d'élite, d'État, etc. Puisqu'il y a aussi, et c'est ce que montre très bien l'ouvrage de Nicolas, il a très bien présenté, il y a plein de moments où il y a d'autres forces et d'autres pouvoirs sociaux qui arrivent et qui arrivent à bousculer un ordre établi. Et finalement, c'est dans cette multiplicité des rapports de pouvoir que se
que se dessine la dynamique sociale. Et peut-être que moi, je trouve ça un peu dommage, finalement, je voulais avoir votre avis, que le débat aille sur le terrain de quelle est la grande idée qui l'emporte. Est-ce que c'est le communiste, le socialiste, la contestation de l'État, pas la contestation de l'État, etc. J'aurais trouvé plus intéressant que vos deux propos permettent d'éclairer aujourd'hui, par rapport un peu peut-être aux défis sociaux auxquels on fait face, environnementaux aussi, quels sont les éléments que vous avez